Salut à tous. Bonjour Comment ils à vont? tous, à toutes, Avant qu'il à arrive, tous ceux je vous qui sont dis... là. Quoi? Vas-y, mais je t'en prie, continue ton intro, il n'y a pas de problème. Avant que le coach arrive, je vous explique le concept. Hugo va nous coacher sur Elden Ring. Fin du concept. C'était pas long comme explication. Il va arriver. Il va nous accompagner sur le jeu. Moi, bah, tous les deux, on joue pas du tout à ce genre de jeu, donc d'où l'intérêt du truc, pour pas qu'on se fasse baiser la gueule dès le début. Enfin, on va voir. Bon, la gueule devrait être baisée à mon avis. Oui, si, je pense qu'on va se faire, on va se faire exploser la tronche, mais bon, au moins quelqu'un sera là pour nous conseiller. Mais Lynx, ce n'est pas grave puisque, je te le rappelle, aucun de nous n'a joué à un Souls auparavant. Nous sommes vierges, la seule expérience qu'on a dans les Die and Retry, ça se limite au dernier jeu à Steel Sifu. Donc en termes de Souls, nous Oui, sommes vierges. oui. Salut! Vous m'entendez les mecs? Tu m'étonnes. Malheureusement. Tu m'étonnes. Eh oh, pas de ça ici. Bonjour. Faut que je le baisse le chat, Bonjour. non? Faut que je le baisse. C'est le Ouais, mais coach. d'accord, hein. C'est le coach, Ouais, le mais quand coach, même. il est bruyant, Comment le ça? coach. Ah ben, le volume micro du coach, là. C'est pas parce que t'es Ah bah coach. dites-le si je vous emmerde. Bah, Oh c'est pas parce que t'es coach non, qu'il ça n'a faut rien se à mettre devant voir. tout le monde, hein. Ouais, ok, ça marche. En tout cas, moi j'ai l'expérience. Avez-vous l'expérience? Je ne sais pas. Ouais, Lui, c'est totalement. ban. Alors là, c'est le ban. Attends, faut que je fasse un petit subterfuge pour que je duplique l'écran de ma PS5 sur mon Elgato en projection plein écran. Wow, Ah, t'es un streamer, toi. si vous pouviez me streamer aussi votre POV, en vrai, ce serait pas mal. Comme Oh ça. là! T'en demandes Oh beaucoup, là tu là en là là demandes là 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 vraiment là beaucoup, mais on peut le là faire. là là. On peut Moi, le faire, on peut le faire. j'ai envie Gourmand. de le faire pour être dans les meilleures conditions possibles. Y a pas de Créer galère. un projecteur de sortie. Y Ouais, a je crois que manque c'est ça. pas de galère. C'est ça, mon gars. Putain. Et là, je clique sur Full Screen Display 2. On est là. Oh, Hop. putain. Et moi je vais baisser le son Voilà de ma ma capture et on douce. sera bon. Eh, mon gars. Je sais Ma que douce. tu veux. Ma douce, mon gars. Regarde ça. Paf. Alors, que demande le peuple? Il y a une squad stream. Je vous envoie le lien de la squad stream. Ben, on l'a déjà accepté, c'est toi qui dois la lancer. Je parle au chat. Je ne te parle Ah, pas. je fais mon travail maintenant. Voilà le chat, le lien de la squad stream, ça, vous voyez tous parce que on va être en multi, mais pas tout le temps en multi, donc c'est bien d'avoir les Ouais, trois c'est bon, streams. ça marche aussi chez moi normalement, le squad. Bon alors, regardez le stream. Mais attends, mais il n'y a pas normalement une mosaïque où je peux voir les deux en même temps? Si, je crois en haut à droite de Discord les petits carrés qui forment un Ah carré. ouais, je sais pas là, ça dépasse mes Voilà. compétences. Bon allez, c'est pas grave. Je regarderai les deux en même temps. Bon, je recommence un perso pour qu'on profite tous les trois du début. Sympa. Alors, petit conseil, je vais le faire en même temps, attendez-moi. Vous êtes dans la création de perso là, non? Ouais. Oui. Alors déjà, vous allez prendre en leg dans Elden Ring et même Ouais. dans les Souls avant. Dès qu'on démarrait le jeu, il y avait possibilité d'avoir un objet en début de jeu, tu vois. Le meilleur objet à prendre dans Elden C'est Ring, médaillon entre... d'ambre d'ambre pourpre. pourpre. Non, ta gueule, c'est la Car il graine donne dorée. Vous plus de prenez PV. Ah. la graine dorée. Non, non, vous prenez la graine dorée parce que ça va vous permettre d'avoir une quantité de fioles en plus pour ceux qui ont soif à la maison là. D'accord, Je prends mais juste un coup de quid pression. du médaillon d'ambre pourpre qui Ouais. donne plus de Non, PV? c'est de la merde, Moi ça aussi je vous sert l'avais à rien. En fait, sélectionné. c'est pas intéressant au début. C'est pas intéressant au début. D'accord. C'est plus D'accord. intéressant d'avoir plus de fioles que ça, vous allez voir. Très bien. D'accord. Étonnant, si je peux me permettre. Si c'était Non, juste non, pour mais me vous dire allez voir. ça, sache que tu m'as tout refait commencer, hein, parce que j'ai fait le tuto, j'ai pris des fleurs et on m'a Non, dit non. non, tu Parce que refais. Terra a fait tout le tuto, je lui ai dit de recommencer un perso parce que Si, t'as un truc à nous voilà, faire. si Non, tu m'as juste fait non. changer On ma le graine refait dorée ensemble. par la médaillon. Chaque chose en son temps, tout va bien se passer. C'est chaud. Vous regardez en mosaïque, si vous n'êtes pas en appel privé, tu cliques sur le salon de vocal comme si tu rejoignais un nouveau salon. Ah bon? Mais ça marche ça? Ça marche pas. Bannez-le là, ce connard là. Il dit de la merde, hein. Hop, ça dégage. Ban. Moula tarte, il a même pas le macaron des abonnés, ça dégage, on veut Le plus entendre macaron. parler. Ouais, j'avoue. Hop, ça c'est bon. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme classe? Bah, de toute façon, j'en ai rien à foutre vu que je vais Et nous, reprendre mon autre on perso. prend quoi? On prend ce qu'on veut? Alors, vous prenez graines dorées. Non, toi, Thomas, tu vas prendre samouraï du coup. Parce Eh bah, que, en il est fait, sélectionné, je vais. Voilà. c'est bien samouraï parce que ton arme, en fait, plus tu tapes, plus tu vas appliquer des saignements.
D'accord. Et les saignements s'enlèvent d'un coup, genre un pourcentage de l'ennemi dans sa vie. Et toi, Damien, je pense que tu vas prendre... Tu préfères avoir une ou deux épées ? Une qui tape fort. Bah en gros, je pense vagabond. Bah c'est le premier truc, donc... Vagabond ou confesseur. Confesseur, tu pourras faire un peu de magie, mais franchement, je pense vagabond, c'est mieux, t'as plus de force. Vagabond. Entre un nom. Moi, au début, j'avais pris la tête d'ampoule, hein, mais bon, apparemment, c'est pas prisonnier, ça. Ouais, c'est un peu compliqué. La tête d'ampoule. Ah, parce que dans ma com, c'est le mec intelligent. Comment tu Non, pas intelligent, juste une tête d'ampoule. Alors, dans choisir un modèle de base, vous prenez... Alors, pour qu'on fasse un qui soit bien moche... Ah bah moi, j'ai pris nordique, ça, c'est ma couleur de peau. Prenez Numen. Il est bien dégueulasse. On dirait celui qui se fait... Oh la vache. Qui se fait figer sa chatte dans Harry Potter, là. Oh, Cro-Magnon. Ah oui, c'est vrai. Ruzard. Tiens, vous avez pétrifié Thomas... ma chatte. Attends, couleur de peau. Vous allez ensuite dans apparence détaillée. Ouais. Toi, oui. Thomas... Enfin, vous avez tous les deux en couleur de peau. Ouais. Dans couleur temporaire, vous prenez une qui est vide, donc noire. Et vous appuyez sur triangle. Oh. Et là, vous... Oh. Bon, toi, Thomas, tu seras jaune. Donc fais-toi jaune, d'accord. Le jaune de Wankil, bien sûr. Bien sûr, et j'ai toi, la ref. Et toi, Terra, tu seras le bleu de Wankil. Bah du coup, c'est l'inverse. Ah. C'est moi qui est jaune. Ah bah, vous faites comme vous voulez. Bah je prends... Ok. Ah. Ok, je vois... Et comment je bouge la pastille, ouais. Là Ah, c'est chiant, bordel. La pastille, comment on la prend, la pastille? Ah, j'ai trouvé. C'est le stick... tu reviens sur le carré et tu fais le stick. Ouais, c'est le stick gauche. Ah oui. Le chat, je suis daltonien. Est-ce que j'ai sélectionné du violet, peut-être? Mais je suis Homer Simpson. Voilà, là, je suis bien bleu, là. Homer Simpson. Bart, bon garçon, vous l'avez dans le chat? C'est récent, non? C'est et bon. Et ensuite, vous allez dans visage cheveux. Ouais. Dans le menu avant. Ah non, c'est un personnage gardé. Attends. J'attends. Visage oui, faites votre tambouille. Alors là, je suis bleu. Là, vous pouvez pas me dire que je suis pas bleu. Exactement. Visage cheveux. Ouais. Et tout en bas, il y a marqué visage similaire. Et là, vous appuyez tout le temps. Tout le temps pendant une minute. Vous mâchez comme si c'était Mario Party. Bon, sur on appuie sur quoi? Visage similaire, vous appuyez tout le temps. Vous appuyez tout le temps. D'accord. Vous arrêtez jamais d'appuyer. Ok, je fais. À l'infini. Boum, boum. Ah, genre, d'accord. On va faire ça pendant genre encore 30 secondes, je pense. Pourquoi il est de plus en plus bizarre, le monsieur? Mais c'est horrible. Mais attends, pourquoi il se dit... Il devient de pire en pire. C'est normal, c'est normal. En gros, c'est une technique depuis le début des Souls, il y a ça, visage similaire. Si vous faire un personnage très très moche, ça marche à chaque fois. Non mais faut qu'on arrête parce que là, ça devient catastrophique, ma gueule. Une petite bouche en cul de poule. Allez, encore 5 secondes, encore 5 secondes. Ah, je marche plus vite. 4, je suis 5. Oh mon dieu, Simpson. Oh, voilà, horrible. C'est bon, oh. Je ne touchais plus à rien. Oh la tête! Je suis Maxime Biaggi. Je suis affreux. Mais non, mais ce sera pas mon perso, les gars. Je vais retourner dans ce perso, on s'en fout. Après, je donc peux là, faire vous pouvez retour, faire ça, terminer. Ouais, je retourner retour, en arrière, vous faites terminer, et du coup, vous serez dans le jeu. Je m'en fais un favori, quand même. Eh bien, oh là, quelle beauté. Je suis le fils de berger. Ah oui, c'est vrai qu'il ressemble à ça, mon perso. Terminé. Tu vas te former pour Elden Ring. La cinématique, vous la passez? Ah? Oh, mais on va rien comprendre à l'histoire. Chez Wankil, je vous avoue que ce soir on a du boulot, donc là vous ramassez le petit objet qu'il y a au fond à droite là. Bon, c'est exceptionnellement, on regardera pas la cinématique. Ok. Et là vous êtes prêts? À 3, on va ouvrir la porte en même temps. Allez. Mettez devant. Hype. 1, 2, 3. Let's go. Arrêtez de marquer. Pourquoi vous marquez point exclamation squad dans le chat? Je sais pas, moi aussi ils arrêtent pas avec point exclamation squad et je comprends pas pourquoi. Alors que vous avez juste à cliquer sous le player Twitch, hein, si ouais, vous regardez en mode squad. Y a un bouton. Y a un bouton. Waouh. Y a mon nez qui dépasse le casque. Normal, j'imagine. Bah ouais, c'est bizarre parce que moi il a une cagoule genre comme un masque Covid et l'arête du nez est tellement haute que c'est presque au-dessus de mes yeux. Donc ça n'a aucun sens. Des flèches. Alors. Du coup là, vous allez descendre le petit escalier qui est à votre gauche. Ouais. Et vous voyez, il y a une espèce de grande arche après un petit pont en bois là. Ouais. Oui. Rendez-vous ici. Et là, le petit que tu insultais à l'école revient te hagard. Oh non. Que tu as hagard à l'école reviendra. Je reste sous l'arche ou je vais voir le monsieur? Ouais, faites F5 si vous avez pas le squad, les gars. Link, je m'apprête à dépasser l'arche. 3, 2, 1, on dépasse l'arche. Et regardez en haut, hein. Regardez en haut, conseil.
Il y a un... Oh, bah elle est bon, c'est un arbre... Un bel arbre. C'est un arbre... Avancez, avancez. Ah, c'est bon, ce il est là. Il a trop de bras. Hop là. En vrai, je suis chaud. Ok. Bon, vas-y. De toute façon, moi, j'ai un arbre. C'est pas compliqué. Autant pas compliqué. Ah, mais avec l'arc, c'est horrible. Esquivé. Je suis chez On attaque. T'es mort, Link, ou pas? Non, non, bah pas du tout. Pourquoi je serais mort? Je sens un peu de second degré. Comment, dans ta voix, comment on lock un ennemi avec la caméra? Alors c'est stick droit pour lock. Bon, trop tard, je suis mort. Tiens, bah c'est bien que tu me demandes en vrai parce que tu vois, quand t'as un ennemi, tu le lock avec stick droit. Et si tu veux changer d'ennemi lock, t'as pas besoin de rappuyer sur stick droit, t'as juste à faire un coup de stick dans la direction où l'ennemi est celui que tu veux lock. D'accord. Voilà, et non, normalement, vous allez arriver dans la zone tuto. Oui, j'étais censé mourir. La cinématique est terminée. Ouais, bah voilà. Oui, oui, bien sûr. Moi j'essaie de me le faire parce que je sais pas au final ce que ça drop quand tu. Je fais start. Le mec. T'as passé? Non. Oui, j'ai passé. J'ai eu ma fiole. Alors, de à savoir que la zone tuto, du coup, elle est en face du. Vous voyez le mec en EHPAD là, sauf qu'il est plus tout seul, y'a plus personne pour lui donner de la compote. Oui. En face, vous tombez ici là, y'a un petit trou. Parce que. Ah oui, figure-toi que pour les joueurs qui ne sont pas avérés de The Souls, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui ont loupé le tuto, non? À 30 mètres de haut. Ah mais même moi, je l'ai raté hein, la première fois. Ils sont cons, quoi. C'est vraiment, ils sont, c'est des vicieux, quoi. Ils veulent que tout le monde crève, quoi. Quelqu'un, ah bah j'ai vu quelqu'un dire, en fait, c'est parce que ça t'incite à justement prendre des risques et explorer. C'est ça, Souls, c'est mourir et réessayer. Ah, c'est ça, les Souls. Ouais, non, là, je pense que c'est juste un gimmick et qu'en plus de ça, ils aiment bien faire chier les joueurs au début du jeu. Donc. Par exemple, dans Bloodborne, au début, tu meurs contre un loup et t'as pas d'armes. En fait, le jeu te dit, bah vas-y, meurs dans la gueule du loup directement. Dans DS3, je crois qu'il n'y a pas que ça. Mais ouais, Sekiro, c'était pareil, le premier boss, tu meurs. Donc là, c'est devenu un gimmick, ils aiment bien faire ça. Ça doit être un méchant, ça. Vous êtes dans la zone tuto, là? Ouais, je me bats avec un pèlerin, là. Okay. Attends. Alors là, vous apprenez toutes les touches. Hein. Vous lisez bien des trucs qui arrivent sur l'écran. Parce que ça va être important. Je vous donnerai des techniques après pour les trucs qui font mal, qui sont bien utiles en combat. Genre, il y a un coup qui est ultra fort. Toi, Lynx, ce qu'il faut que tu fasses... Ouais. C'est que t'enchaînes ton R1. Plus tu vas donner des coups... J'enchaîne mon quoi? Ton R1, donc ton attaque légère. En fait, ce qui est bien avec ton arme, c'est plus tu vas enchaîner des coups, si tu donnes des coups avec ton arme, qu'elle inflige des saignements, il y a comme une barre invisible chez l'ennemi qui se remplit de saignements, et dès qu'elle arrive au coup, paf, ça fait un pourcentage de dégâts énorme. Donc, ok. Et Damien, je crois qu'il a une épée classique, donc... Épée plus bouclier. Ouais, épée plus boubou. De toute façon, vous allez apprendre à parer, je crois, c'est pas le... Le premier Souls-like où on peut sauter, c'est pas normal. Si. J'avais cru un truc comme ça, ouais. Dans Sekiro, tu pouvais sauter, c'était le premier Souls-like où tu pouvais faire des jumps, et là c'est pareil. Et justement, t'as une attaque qui est très très forte, ça brise la garde de la plupart des ennemis faibles, c'est saut et R2 pendant ton saut. Et alors ça, bah, ça décoiffe. Est-ce qu'il faut manier à deux mains ou pas? Alors c'est conseillé, c'est triangle plus R1 pour manier ton arme qui est dans la main droite à deux mains. Okay. J'ai pas la portée avec une hallebarde de 10 mètres de long. Oula. C'est une hallebarde, c'est un peu compliqué au début en vrai. Elles sont un peu lentes les hallebardes, mais c'est des armes qui sont vachement fortes au début. Attaque. J'ai un boubou moi ou pas là? C'est pas nickel. Ah merde. Et comment on fait pour quand un mec il se protège avec un bouclier? C'est quoi la technique pour qu'il arrête de se protéger? Alors soit coup fort, soit plusieurs coups forts chargés. Tu sais, tu restes appuyé sur R2. Soit saut et R2. Ou alors tu tournes autour jusqu'à arriver dans son trou de balle et tu lui prends la température. C'est la meilleure des techniques. Oh, est-ce que je veux utiliser l'arc? Mais si la squad marche pas pour tout le monde, j'ai pas trop envie d'utiliser. Pas trop envie d'utiliser l'arc, je crois. Je travaille pas chez Twitch. J'ai regardé des streamers jouer, je te cache, j'en ai jamais vu jouer à l'arc. Ouais, c'est pour ça, j'ai pas envie de faire l'effort d'apprendre l'arc là. Non, en vrai, on n'en aura pas besoin de l'arc en plus. Ouais, ok. Allez. Ça dégage l'arc. Pourtant, celui que t'as, il est bien, pour commencer. L'arc du samouraï, il est vachement bien. Quoi, le son du jeu? Le son du jeu est étrange. J'entends bien, moi. L2, compétence. Faut que tu l'as tout, là? Ouais, c'est vrai. Ah bah ok, toi, je te vois, Thomas. Attends, L2, compétence, c'est-à-dire... Oh là. Alors, en gros, je t'explique, c'est simple. Vu que toi, tu vas pas faire de magie... Ouais. De base, dans le jeu... Moi, je vais vous expliquer ça, comme ça, ce sera simple. En gros, de base, dans le jeu, les gâchettes de droite...
ça simule votre main droite. Donc R1, coup léger, main droite. R2, coup fort, main droite. Ok. Pareil avec les gâchettes gauche. L1, c'est coup léger, main gauche. L2, coup léger, machin. Sauf que là, quand tu tiens une arme à deux mains, tes deux mains sont sur l'arme. Ouais. Donc en gros, ouais. R1, coup léger. R2, coup fort. Ouais. L1, c'est te protéger avec ton arme. Tu vas la lever comme si ça allait servir à quelque chose, mais tu vas quand même prendre des coups parce que c'est une épée pourrie. Ouais. Et L2, tu restes appuyé. Et soit tu fais R1 ou R2, tu vas voir. T'inquiète, t'es pas mort, t'es pas tombé de trop haut. Ok. Dommage. Désactive l'audio 3D du jeu. Et je comprends pas pourquoi on me demande ça. Ah, c'est ton Elgato qui pue. Bah, je sais pas, c'est un peu la même remarque. Hein, on m'a fait un peu la même remarque, mais moi j'entends pas de problème. Bah, en fait, moi quand dans mes oreilles j'entends rien. Moi j'entends bien là. Bah, j'entends très bien. Et ils ont dit la même chose à toi aussi. Désactive l'audio 3D. Bon, on va le faire. Et ça se fait où ça? Configuration. Ah oui, en effet. C'est mais dans la PS5 ou dans le jeu? Dans le menu de la PS5. Menu de la PS5. Oh l'enfer! Vous allez, je vais faire avec vous. Non. Son. Vous allez dans accueil, en haut, le petit rouage paramètres. Son. Ah ouais. Attends. Je l'ai fait aussi moi l'autre jour. Parce que sortie audio et vous avez activé l'audio 3D, vous le désactivez. Attends, accueil de la PS5, rouage, sortie audio. Son. Enfin son. Sortie audio. TV. Activez l'audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur, vous désactivez. Ça ah ouais, mais c'est bizarre que moi je l'entende bien. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ça m'avait fait mais pareil aussi quand j'avais commencé le let's play. Okay. Les gens ils disaient que le son était pourri. Ok. Ok, parce qu'ils commençaient à me bronzer des couilles. Pardon. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va, ils avaient une bonne raison. De le dire. Mais je suis pas revenu en arrière par hasard, mais quel connard. Allez, vite. Si, t'es revenu tout à fait au début du tuto. Exactement. Bon, allez, go. Donc tu me disais L2 plus, parce que j'ai pas entendu quand je suis tombé. Alors, bah, Tat, là, vu que t'es tout seul, tu fais L2. Tu maintiens L2 et voilà, 1 R1. D'accord. Et fais R2 aussi, tu vas voir. Voilà, j'ai fait. Ouais, là, j'ai fait L1. Ok, ouais. Et ça, c'est des attaques qui font très très mal, tu vois. Ok. Je vous attends devant le mur du boss. Je suis au boss, allez aider, je savais pas que j'avais passé un portique de sécurité. J'arrive. Ah, t'es au boss? Bon, vas-y, de toute façon, c'est un cul le premier boss, hein. C'est vraiment un boss tuto. Ah, bah attendez, j'ai un écran pause, j'en profite, je bouge plus, j'attends que vous y soyez aussi. Je fonce. Comment ça, t'as un écran pause? Bah, ça me propose de m'apprendre les contre-attaques. Ah, mais t'es pas encore au boss alors, attends, fais voir. Bah, c'est un boss ça, si. Ça marque soldat Goldrick avec une grosse barre de vie. T'as raison, ouais. R2 immédiatement après avoir bloqué. De les niquer, tu traces. D'accord, vas-y. S'accroupir, on va pas trop s'en servir, mais c'est vrai que tu peux être sneaky dans le jeu maintenant. Et je vais essayer de c'est le contrer, tiens, ce qu'on a. Dans le dos d'un ennemi. Bonne esquive déjà. Ok, d'accord. Va demander au soldat Godric de réfléchir. Le boss n'existe plus. Très très dur, mais je l'ai eu en one shot. Hein. Oh putain! Bonne chance. Ouais, assez impressionnant. Je l'ai paré là, ça nique. Hein. Bon, vas-y, redonne un coup. Il va me tuer ce qu'on l'a en plus parce que je veux le parer. J'aime beaucoup tous les messages au sol. Essayez doigt. Ok, je traverse le brouillard. Ça part. Essayez compétences. Ennemi faible en vue. Quelle surprise. Allez, vas-y, Thomas. Oh, saut soldat R2 de Godric. Dans sa gueule. Saut R2 dans sa gueule. Lock-le, tu lock toujours tes ennemis, pense-y. Ah oui, oh, c'est bah, bah alors là. Top. T'as vu un peu là, les dégâts? Mais ça dégage! Bon, par contre, c'est un mob de merde. Hein. Je te tout de suite. Bon. En fait, ils ont pris un mob du jeu et ils l'ont mis là pour servir de tuto, mais ça sert à rien. C'est bien, c'est un peu mis en scène, ça fait plaisir. Mon ego est flatté. Et là, vous allez pouvoir ramasser le petit objet et on se dirige vers la porte en bois toute pourrie. C'est l'heure de la suite. Encouragez. J'encourage. Alors maintenant. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Je sais pas si on va s'invoquer maintenant. Ah, il faudrait pas que vous mouriez quoi. Faut vraiment pas que vous mouriez parce que. Mais on mourra pas. Ouvrez la porte, ouais. Oh, t'as dit ça avec un aplomb. J'en ai presque peur. Je vois pas pourquoi on mourrait. Je vous attends à l'ascenseur. Bizarre ta remarque. Bizarre. Oh. D'abord, la grâce. Toucher la grâce. Voilà, un peu de grâce. Ah, on va faire un truc avant, tiens. Retournez au site de grâce. J'y vais. Utilisez deux crochus dans le cul. Alors, je te raconte pas qu'un doigt crochu, en plus, avec un état comme celui-ci, ça doit te filer au moins 15 maladies du 21ème siècle. Alors là, vous utilisez site de grâce. Vous allez aller dans le menu fiole. Ouais.
Et en fait, de base, le jeu, il vous donne une fiole de magie aussi. Sauf que vous, vous n'allez pas vous servir de magie. Donc vous faites répartir les doses de fiole. Et vous mettez tout en lame pourpre. Donc c'est la fiole qui est rouge sur votre gauche. Vous faites ça. Okay. Confirmé. Et vu qu'en premier objet, en leg, vous avez pris la graine dorée, dans le menu fiole, vous faites ajouter une dose de fiole. Comme ça, vous aurez une dose en plus. Mais non, ça en fait 5. Exactement. Vous, bah, aurez voilà. tout, vous aurez tout, non, tout on va au mieux. Mourir. Et on va aller en chercher une autre plus tard aussi. C'est carré pour prendre la fiole, j'ai cru, j'ai mis clic. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est carré dans l'axe. Tu peux y aller. Je monte. Voilà, site de grâce. Et là, je vais reprendre mon vrai perso. Et donc, je vais vous donner un... Vous me dites quand vous êtes tous les deux au site de grâce dehors, d'accord? D'accord. Dehors? C'est très impressionnant. T'as pas mis c'est beau, hein. la grainée. T'as pas mis la grainée. T'as pas mis la graine d'or. Ah, t'as pas rajouté ta fiole? Augmenté. Oh là, les insultes par contre. Désolé. J'ai pas mis la graine. Tu pourras au prochain site, de toute façon. Je touche la grâce. J'ai hâte que vous voyez le pseudo de mon personnage. Ah, il fait troll, Terra. Enlève peut-être. T'as quoi sur toi? Peut-être enlever ton pull au vert, non? Enlève ton froc. Mon froc? Enlève. Ta hallebarde. Tu t'en serviras pas de ta hallebarde. Enlève-la. Dégage. Je fais une roulade pour voir si c'est plus fluide là. Voilà. Regarde, c'est plus rapide. Et donc là, vous êtes normalement au site de grâce, d'accord? Ouais. Normalement, en face, vous voyez, il y a une espèce de petite tour. Ça ressemble à une église sur laquelle, bon... Oui. Ça s'est fait bombarder la gueule, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. C'est votre objectif, on se retrouve là. Donc allez-y les mecs. Il y a un pro-chevalier entre moi Attends, et cette... D'abord, je mets la graine. C'est ce que j'allais dire, faites attention. Le mec là, il est pas en train de chercher des champignons, c'est votre trou de balle qu'il veut. Donc faites attention. D'accord. Ne croisez pas son regard. Est-ce que les animaux nous attaquent? Attends, peux faire, c'est où que je mets la graine? Fiole, augmenter les doses. Ajouter une dose de fiole. Il y a un truc qui est drôle que tu peux faire, c'est attaquer je crois que c'est les moutons. Ouais. Tu t'essayes d'agresser un mouton. Juste de rouler devant, tu vas voir. Voilà. Je souhaite avoir un cheval, s'il vous plaît. Après, on va y aller. Attaque pas le mouton, mais roule dessus, Thomas, tu vas voir. D'accord. Damien. Mouton. Oh putain, il m'attaque le mouton! Allez, viens de battre. Affronte les Arabes. Allez, viens de battre. Oh! Alors, les moutons font pas ça dans la vraie vie, hein. Oh! Du coup, c'est le diable. Je vous l'avais dit, hein. Allez, hop. Oh, il est incroyable ce mouton. Je vous l'avais dit, hein. C'est pas n'importe quel mouton. Excellent. Bon, vous êtes à l'église. Allez, ouais, je vais à l'église parce que je joue avec les moutons. Attends, okay, je vais déjà aller parler au chevalier. Non, non, faut vraiment pas que vous mouriez, les gars, on a besoin de vos runes. Hein. Va tuer le chevalier, vas-y. Okay. Si t'as des couilles. Il me regarde là? Oh, il m'a mis un coup de pression, il m'a regardé. Alors, je suis dans la cathédrale. L'église. Il y a le Père Noël là, vous le voyez là? Ouais, bizarre. Quoi? Pourquoi? Vous lui acheter un nécessaire de fabrication. C'est le petit truc tout à droite en haut là, qui coûte 300 runes. Alors. Nécessaire de. Fabrication. Permet de fabriquer des objets. Génial. Voilà. Et là, on va en avoir besoin de ça en fait. Pour créer des objets qui vont permettre de nous invoquer dans le multijoueur. Alors, par contre, il y a un truc qu'il va falloir que vous fassiez vu que. Faut qu'on se rejoigne nous et pas qu'on rejoigne d'autres gens. Faudrait que vous cachiez votre jeu, les mecs. C'est vrai qu'on l'a pas fait avant le stream. Ah oui, on nous a dit de le faire, je l'ai pas fait. Ouais, cachez votre jeu. Faut aller dans le multijoueur. Non, c'est pas ça. On va le faire maintenant. Si, si, vous appuyez sur start, multijoueur, et vous faites triangle. Faut que je puisse continuer à voir le. Multijoueur, triangle. Ok, et on met un mot de passe. Le mot de passe, je sais pas où je peux vous l'envoyer. Bah, je vous l'envoie dans la conve Elden Ring. Voilà. Hop, vous mettez ça en mot de passe. Non, mais non, là, je vais pas mettre N-word, t'es un malade. C'est pas ça que j'ai mis. Du coup, faut faire triangle et marquer ça. Ah merde, attends, du coup, je peux pas voir le jeu. Je stream le jeu, comment je fais? Fais un projecteur de source, Terra. Ah. Tu pourras désafficher le jeu et la voir quand même en. Ah, ouais, tu fais clic droit sur ta source. Ouais. Ah. Non. Si, si. Attends. C'est à moi, tu fais clic droit sur ton gâteau
et projeté, je sais plus comment ça s'appelle. Projecteur fenêtré. Ok, mot de passe multijoueur, je l'ai mis, c'est bon. Alors attends. Attends, parce que moi, c'est costaud. Projecteur, créer un projecteur de source. Ouais, de source. Et ensuite, je désaffiche. Ouais. Ah, c'est bon. Ok. N. E. G. Ok, c'est bon. J'ai pas marqué ça. Je vous assure, j'ai pas marqué ça. On a une Namco. Attends, l'écran, il est tout petit. Ah. X, ok. Oui. C'est bon. C'est good ? Je crois que oui. Ok. Et vous voyez, quand vous faites face au Père Noël, vous sautez derrière l'église. Mm-hmm. Et il va falloir que vous ramassiez des petites fleurs jaunes. Ça s'appelle le Flora Mundis. Vous allez voir, c'est des trucs qui brillent de mille feux. D'accord. C'est loin derrière ou... pas très loin, j'imagine. Je me promène. Fleurs, hein. En fait, c'est celui qui va nous invoquer, qui va avoir besoin de créer un objet pour nous invoquer. Donc il faut que vous farmiez ces petites baies de sorbier. Ces petites fleurs-là. C'est pas tout à fait ça. Rouge. Je regarde un endroit si je peux trouver un endroit où il y en a plusieurs. Ah ouais, ok, j'ai une idée. Vous voulez que je vous stream aussi mon écran, comme ça vous verrez ce que je fais. Partage. Elle brille, on la voit de loin. Ouais, c'est un truc qui se repère de ouf. Baie de sorbier. Regardez mon stream. Regardez mon stream sur Discord. Ouais, attends. Ça, c'est fait, ça mange pas de pain. Ouais, j'y suis là. That Blunted Bread. Donc, tu vois, ça, c'est l'église. Ouais, bah, faut que j'y retourne. Et à droite, là, t'as une petite forêt. Et à cet endroit-là, tu peux choper des petites fleurs jaunes. Faut que t'en aies deux pour crafter l'objet qu'il faut. D'accord. Mais ramassez autant que vous pouvez, hein, vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Je le crois d'ailleurs. Il n'y a pas un champ de ces fleurs-là là. Non, non. Mais je te dis justement, dans la forêt, t'en as plusieurs. Là, tu vois, j'en ai déjà trouvé deux. J'en ai qu'une là. Putain, je les vois sur ton écran, mais. J'ai que des bêtes sorbiers là, ça. Vous allez en trouver de toute façon. Ça me brise les couilles. Si vous tournez autour de l'église, de toute façon, vous allez en trouver très vite. Hein. Le chat, si vous envoyez, vous criez. J'ai pas l'impression d'en avoir raté pour l'instant, mais. Ah. C'est magique ça. Flora Mundi. Je vais aller chercher. Ah, il y en a plein là. J'en ai retrouvé une troisième. J'en prends et j'en fabrique au cas où. Je crois que je peux vous en dropper en fait quand on se sera invoqué. Autour de l'église, il y en avait, donc je vais peut-être y retourner. Putain, j'en ai qu'une. Ouais, moi aussi j'en ai une là, mais. Mais j'y crois là. Le premier qui en a deux est gagné. Ah, attends, c'est ça ? C'en est une ça ? Dès que vous en avez deux, c'est bon. J'en ai une autre. Elles se voient pas de ouf si elles sont pas dans le noir en fait. Non, en pleine lumière. Proche, ouais. Bah, du coup, j'en ai deux. Je m'arrête là ou je cherche une troisième ? Ouais, arrête-toi là. Oh, le bon élève. Dès que vous en avez deux, dans le menu fabrication d'objets qu'il y a en appuyant sur Start, vous craftez un truc qui est tout en bas qui s'appelle remettre des doigts crochus. On dirait une boîte à maquillage avec de la pisse dedans, en poudre. Ah, je suis pas obligé d'aller retourner à l'église pour le faire, je peux le faire dans le menu. Non, tu peux le faire n'importe où, Craft. Ah, y'en a une autre. Hey, si tu veux, il y a une Flora Mundis qui est sur le chemin entre l'église et le début de la forêt, à droite. Bah ouais, mais j'ai... T'as trouvé ou pas, Thomas ? Je regarde autour de l'église parce qu'ils me disent qu'il y en a une juste autour de l'église. Moi, j'en ai qu'une, là, pour l'instant. Ah tiens, attends. Retourne dans la forêt, hein, Thomas. Ouais, ouais. Il y a forcément plusieurs. Oh, le jardinage qui se passe super mal, là. Le champignon, on s'en fout. Le chat, je vous ai lu. Hein. Et quand je vous ai lu et que je vous réponds pas, c'est que vous êtes pas drôle. Indice chez vous. C'est pas drôle. La hache, Link. Je te jure, c'est ça. C'est cette blague précisément. C'est celle-là ? Oui. C'est bon, je l'ai vu. C'est la blague de la hache. Vous êtes inspiré. Hein. C'est technique. En même temps, quand on regarde Monkey Studio, c'est pas pour le chat, hein, si je vous rassure. Donc putain, bon, j'ai cru que t'allais me trash. Hein. Ouais, parce que c'est très attention à ta petite gueule. Ah, j'ai cru là. Après, moi c'est bon. Moi je suis payé, donc y'a pas de j'ai soucis. J'ai mon Flora Mundis. Donc on va. C'est bon, ok. Fabrication d'objets. Rendez-vous, rendez-vous à l'église. On se retrouve à l'église. Remets des deux crochus, oui. Ok. Encore. Oui, voilà, c'est j'en ai deux. Dans start, fabrication d'objets. Et c'est le notre boussole avec un truc qui s'échappe. D'accord, ok. Truc en bas, remettre des doigts crochus. Ça part. Et faut qu'on aille où après ?
On va faire un truc, on va s'invoquer dans l'église en fait. Comme ça, on va pouvoir jouer ensemble dans le monde. Ce sera mieux. Alors. Le premier qui meurt est une tantine. Allez. Le premier qui meurt offre 5 subs aux deux autres chaînes. Ah putain, directement l'argent quoi. Non, mais ça me va. Vous savez pourquoi il dit ça me va? Ça me va. L'autre fois, je démarre Steam. Qu'est-ce que je vois? Bah, devinez ce que je vois. Voilà, c'est tout. Je dirais rien de plus. Allez, c'est bon. Allez, et voilà. Je mettrai 5 subs et rien de plus. Il joue encore à Dragon Ball Z Kakarot. Putain. Et c'est... bah voilà. Moi, la dernière fois, j'ai vu Steam. Qui c'est qui est encore en train de jouer à Rocket League? Et bah voilà. Ah bah voilà. Je vous le donne en mille. Du coup, je suis super fort à Dragon Ball. Alors, vous êtes au niveau du site de grâce ou pas? Oui. Ouais. Ok, vous avez crafté votre doigt crochu, enfin votre maître de doigt crochu. Ok, vous faites start multijoueur. Mais on va voir le mot de passe. Du coup, il faut. Merde. Ah oui. Tu viens de le leak? Non, moi c'est caché automatiquement par ma cam, mais. Ok, c'est bon, je l'ai pas leak. Ok. Bah en fait, c'est très bien parce que si tu caches à chaque fois, toi Thomas, comme ça, on te rejoint sur ton monde. Hein. Du coup, Thomas, t'es le seul à utiliser remettre des doigts crochus. Je l'utilise. Ok, donc maintenant tu vas voir les marques au sol. Toi Damien, tu utilises le doigt crochu. Le truc qui est en dessous, tu sais. Ouais, c'est forcément ça. Et normalement Thomas, tu devrais voir dans pas très longtemps une petite marque au sol, jaune pisse, juste derrière toi, je pense. Ah, j'utilise maintenant le doigt crochu? Ouais, c'est pour que Thomas puisse nous voir en fait. Ok, je l'ai fait vraiment devant le site de grâce. Hein. Normalement ça devrait j'attends. Arriver au bout d'un moment. J'attends un signe. Et en plus, normalement, je vais pouvoir t'en dropper. Ça c'est bon, oh. Ok. La marque d'invocation dorée, c'est ça? Oh oui! Vas-y, appuie. Ça c'est Damien. Il a la jaunisse, c'est sûrement lui. C'est normal, tu l'invoques. Eh oh, moi, je suis où, moi? Et moi, et moi? Ouais, ouais. Et moi? Il est où, lui? On vous invoque. Ah, ce serait pas moi, ça? Bah non, c'est pas moi. Terracide a été invoqué, la tâche de sang. Je suis là. Tu veux voir, toi? Mais toi, en bleu, c'est plus stylé, parce que moi, en jaune, je suis malade. Ah, tu la vois, là, tu la vois, Thomas? Ah ouais? Attends. À droite de la marque blanche. Ici, ouais, derrière. Ah ouais, c'est bon, je... Oh non! Oh non, la super blague! Regarde son pseudo, attends son pseudo. Ah, vous allez voir, vous allez voir. Eh, tu vas être au sol. On vous invoque, ok, c'est bon. Ah, par attends, contre, j'ai peur, je vais me pisser dessus de rire. Flanty MDR! Allez, c'est parti, mec! Brancardier, attendez. Je suis mort de rire! Et par contre, les gars, attention, on fait un truc tous les trois là. Surprise. On enlève le casque. Comment on fait? Contrôle du faciès. Vous faites carré sur votre casque dans votre inventaire, dans l'équipement là. Oh la vache. Ouais non mais oh bah je suis pas le plus. Oh bah y'en a un qui a bien mangé là. Bah j'en connais des vilains là. Oh la vilaine. On a pas le même genre de visage. Moi j'ai tout petit. Ouais, c'est un comme très si gros j'ai envoyé descendre de la banane à Toulouse. Non mais cela. T'as un très très gros pif et des gros yeux. Là c'est l'inverse. Oh la vache. Hop là. Allez, direction la forêt. Du coup on va aller chercher la monture. Allez ici. Oh putain. Ce sera ma monture. Ou alors toi. Je vais te refaire les fesses, toi. Eh bah, ça a toujours été ma passion, là. Si je joue Elden Ring. Tiens, regarde-moi ça, par contre. Allez, la merde. Oh, bah putain, vous leur faites... Mais j'ai rien besoin de faire, en fait. Mais attends, les runes, quand on tue un ennemi, ça nous partage, les runes? Oula. J'en demande Oula. Beaucoup, pas sûr de... Donc ça veut dire que s'il y a... Admettons, il y a un boss, il est vraiment gros. Mais c'est pas un boss majeur, c'est un boss vraiment gros. Si je suis le dernier à mettre un coup d'épée gros, dans son corps ça. Alors que j'ai rien fait, c'est moi qui récupère tout. On est dans le monde de Thomas. Du coup, c'est Thomas qui aura toutes les runes normales. Par contre, nous, on merde, aura des runes ça a réduites. Pas marché. On aura des runes réduites. Bah tiens, et lui aura tout. Eh ben après, et on pourra le refaire sur ça. Ça fait fort plaisir, les gars. Et tiens, bah donc là, je fais un Mundis ici. Flora Mundis. Oh bah, je prends ça. Enfin, le R1 dans le dos. Ça, j'ai essayé de le faire, mais faut être tout près, non? Parce que ça a pas marché. J'ai jamais réussi à le faire, hein. Dans la zone de tuto, ça marchait pas, moi. Regarde, mets-toi debout. Terra, tu feras. Bon, viens. Terra, viens ici. Tu feras le cobaye, mets-toi de dos. Tu fais l'ennemi. Voilà. Ok, je vais de dos.
Et là, tu fais comme si t'en avais rien à foutre de ce qui se passait. Voilà, tu fais comme ça, je vais Thomas. Pisser ici. J'ai envie de pisser. Et là, tu fais avant, avant R1. Oh, j'ai été attaqué. Ah, il y a le avant, je savais pas qu'il fallait faire avant. Il faut être accroupi. Mais au moins, c'est un moyen safe. Non, non, tu peux être debout aussi. D'accord. Bah, attends, on va faire un 10 ici. Prenez. Ouais. En gros, faut qu'on en récupère plein parce qu'en fait. Ah, ici, il y en a une aussi. Ouais, prenez-en plein. Dès qu'on en prend. Et venez, les gars, attends, je vais vous montrer un truc. Ouais, tu les prends, etc. Parce que j'ai. C'est partagé. Oui, ça, je pense que c'est dans notre monde à tous les deux. Ouais, on en a chacun. On en a plein. Regardez. Plaisir. Merde. Contrairement aux runes. Ça va être dur, ces vilaines runes. Hein. Ah, regardez ce que j'ai fait pour vous, hein, j'ai fait ça. Wow, c'est quoi cette merde? Comment t'as fait ça? Le magicien. Attends, bouge pas, le spectacle fait que commencer. Viens voir ce que je vais leur faire à ces deux petits cons là. Avancez pas trop proche. Regarde-le. Bah oui. Bah tiens, mais comment je fais ça moi? Il est trop fort. Il fallait farmer l'arme. Mais attends, ah parce que t'as pas un perso niveau comme nous là. Il est quoi, niveau 30 quoi. Ah ouais, je suis niveau 30 quoi. Oh, y'a du monde. Eh, recule hein. Okay. Recule. Y'a vraiment du monde, Ouais, c'est moi, ils sont tous morts. Et ça aide en fait ce truc hein. Attends, mais ça a vachement aidé là. Oh, je suis low HP là, je prends une petite fiole. Reculez tous. Voilà, bien, fais gaffe parce que les mecs qui ont des lances en général ils sont costauds. T'inquiète, je me concentre. Passe à mon coup. On est bon, hein. Une petite fiole. Parfait, on a nettoyé le truc. Tiens, Thomas. Ouais. Ici, là, sur cette stèle, t'as un objet à ramasser, c'est l'endroit de la map. Enfin, ok, ouais, je l'ai pris. C'est qui ça? Non, c'est bon, il est gentil? Oui, il est gentil là. Oh, il est gros, hein. Oh putain. Voilà. Allez, hop. Super sympa. Vous en pensez quoi, le chat, de ce qu'il vient de faire? Tiens. Oh, on a fait la même chose. L'attaque sautée carrément, comme si ça suffisait pas. Et il a une grotte ici. J'y vais. Ouais. Et là, Thomas, faut que tu prennes un truc, en fait, au bout. Il y a un truc qui s'appelle les cendres de guerre. C'est fermé. C'est un truc qui est vachement bien. En gros, tu peux équiper une compétence spéciale, tu sais, le L2. Ouais. Que je t'ai fait faire à ton arme. Donc, vas-y, prends le truc qui est dans le coffre. Cendres de guerre. Mais attends. Là, c'est Moi, j'ai rien. Je savais qu'il allait poser la question. Faudra le refaire dans ton monde, ça, Damien. Oh, il va aller. Oh, je suis vraiment content qu'on soit dans mon monde. Hein. C'est plus le début. Hein. Tiens, et puis le petit Thomas maintenant, il va aller débloquer la petite monture, Torrent. Et ça, Damien, tu devras le refaire dans... Mon monde. Voilà, c'est bien. Eh bah, je vais rien voir. Attends, là, tu veux dire que là, je vais pas avoir de monture? Non. T'as un truc à ramasser, là, Thomas. Juste Thomas. Mais c'est de la... Mais j'ai trop de trucs. L'espadon seigneurial. Ça a l'air extrêmement puissant. Et bah voilà. Tiens, vas-y. Tu te reposes au site de grâce. Tu peux ou pas? Je peux la toucher. Et maintenant. Ah bah si elle est consentante, oui. Et maintenant. Je la touche et maintenant. Tu peux pas. J'ai plus d'action. D'accord. Là. Non, j'ai plus d'action. Ok, Damien. Oui. Multijoueur, menu. Et tu utilises briseur de doigts. Retour à la case départ. Pourquoi? Multijoueur, menu. Attends, multijoueur. Briseur de doigts. Attends, je vais t'expliquer. Oh, le briseur de doigts. Retour dans votre monde. Et là, Damien, tu vas faire tout ce qu'on vient de faire. Tout ce que... D'accord. Ton monde. Et après, promis, on sera un bug, promis. Attends. Putain, c'est tout. Ah, Terra a leak. Pourquoi tu prends la stèle? Ah, il a leak. Bon, c'est pas grave, de toute façon... De toute façon, on est plus en multi. Ouais, et puis même, si tu veux, on peut changer de mot de passe, mais au pire du pire, on invoquera juste nos... Oui, puisqu'il suffit juste d'avoir les noms. Oui, enfin bon, si j'ai 60 marques de au sol, bon... Je sais, Miss League, j'ai 45 heures de jeu, je connais un peu le jeu, c'est moi le coach, d'accord? Je suis au courant, le mec était à la limite de me dire pour attaquer, c'est R1, hein, espèce de con. Non mais attends, je vais pas pouvoir tuer toute la zone tout seul, hein? Si. Non mais... Ah, tu ramasses juste la carte et tu veux aussi de grâce à côté pour pouvoir débloquer Torrent. J'accepte ce que me dit la dame. Accepte, ouais. Elle va te donner la monture en fait. Ah, d'accord. Alors là, si tu crois que je vais pas descendre dans la petite caverne où on a été pour ouvrir le coffre. Non. Ah oui, bah fais-le en fait si tu veux descendre. Tiens, d'ailleurs, ça s'équipe ce truc là.
Ça s'équipe, mais bon, pour l'instant, on n'a pas réellement besoin. Vu que toi, t'as déjà une compétence qui est bien sur ton arme, t'en as pas besoin. Je regrette. Bon, là, Thomas, tu vas bien m'écouter. C'est un peu technique. D'accord. T'appuies sur Start. Tu vas à droite, tu vois, t'as un truc qui s'appelle sacoche. Et ouais. T'as une touche vers le bas. Ouais. Voilà. Tu fais triangle pour changer. Mmh. Parce que tu as un raccourci. Et là, tu mets le petit anneau. L'anneau gastrique, là, à droite. Ouais. Là, tu quittes. Et maintenant, quand t'es dans le jeu, si tu fais triangle, tu maintiens. Et bas. Oh, t'as la montre. Oh, trop bien. Attends, c'est. Pas de point d'un doute, c'est pas un cheval ça. De quoi? C'est pas un non, cheval. Non, c'est pas un cheval ça. Oh, je m'attendais à une fière monture, mais là c'est un vieux yak. Mais c'est... D'ailleurs, je suis. Oh, le yak, j'ai oublié. Non, mais d'ailleurs, ce qui est chiant avec la monture, c'est que tu peux pas la customiser. Genre, tu peux pas lui mettre un aileron ou des trucs comme ça, j'aurais bien aimé. Alors, j'ai rien écouté de ce que vous avez dit depuis le début. Il a un double saut, genre... bordel. T'as réussi ou pas à faire ce que je t'ai dit? Je suis au site de grâce, je me repose un petit coup. Tu débloques Torrent là? J'ai passé le dialogue. Oh, fais accepter. Il y a une dame qui me parle. Fais accepter au dialogue, dès qu'elle te demande. Au fait, ton stream est noir hein, chez moi. Hein. C'est noir. Ah bon? Ouais. Sur Discord, je vois pas ce que tu fais. Depuis le début? Non, depuis genre 2 minutes. Je recommence. Ok. Partager écran. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Ah oui, tiens, on va faire un truc ensemble. Une fois que t'as la monture, Damien, tu me dis et on fait ce que je veux faire ensemble. Bah, je l'ai. Le boss. C'est bon? Ok. Bah alors, du coup, vous ouvrez la map. Vous touchez. Attends, dans le menu principal. Sacoche. Ouais, équipe la monture. Tu fais sacoche, tu mets sur flèche du bas, je trouve que c'est le plus pratique. Tu mets l'anneau gastrique, là. Comme ça, dans le raccourci, tu l'auras en flèche du bas. Du coup, vous pouvez monter de niveau, comme vous voulez. Ouais. Vous allez à un site de grâce, vous me dites quand vous y êtes. Je suis. Je vais monter... Monter de niveau. Ouais. Et je monte un truc en particulier. Vous pouvez prendre combien de niveau? Vous pouvez prendre combien, là? Au max 2. 2. 2. Je peux passer de 9 à 11, là. Alors toi, Thomas, serait bien que tu montes ta dextérité, vu que t'as un katana. Mmh. Et Damien, toi, monte ta force. Ouais, tu montes ta force. Pas je passe important. Donc à un niveau 16. Bah, ok. Comment ça, 16? Bah, non, je parle de ma force, niveau Pardon. 16. J'ai pensé à mal directement. Oh, il commençait à s'inquiéter là. Oh non. Ok, maintenant, téléportez-vous à l'église d'Eleh. Donc, c'est l'église où on était tout à l'heure. Vous ouvrez la map et vous cliquez dessus. Alors, c'était pas cette touche, ça s'appelait une photo. Oui. Oh, ça fera un souvenir. C'est cool. Église. Église d'Eleh. Ok, maintenant, vous allez regarder dans la direction. Alors, attendez que. Je vais le faire avec vous. Vous avez une petite boussole en haut, normalement, dans le jeu. Vous regardez plein nord, ok? Ouais. Et vous marchez plein nord. Derrière l'église et tout, hein. Avec la monture. Attends. On regarde plein nord par rapport à l'église. Ouais, dès que t'es au site de grâce de l'église, tu marches plein nord. Genre en vrai, pas sur la carte. Et t'as une boussole en haut, tu suis le nord. Oui, je sais, je veux dire pas sur la carte, donc là je marche au nord. Non. Par rapport à la boussole. Et vous allez tomber sur une petite tanière normalement. Une petite grotte? Ouais, exact. Mais je l'ai vu tout à l'heure quand je voulais récupérer des corps à mon bosquet. Ouais, on est passé à côté. Et du coup, vous prenez le site de grâce dans la crotte là. La crotte. Hop. C'est bon. Et Thomas, examiner. Attends, c'est quoi ça? Okay. Thomas, tu vas appuyer sur la statue là. Ouais. J'ai eu l'effigie. Tu fais examiner. Ce recueil d'invocation est à présent opérationnel. Et maintenant, vous allez... Enfin non, du coup, on fait sur le monde de Thomas ou sur le monde de Damien? C'est comme vous voulez. Hein. Oh, on peut aller sur le monde de Thomas, c'est pas grave. Quoi? Bon, bizarre. Du coup, Thomas, tu refabriques un remède des doigts crochus. D'accord. Comme tout à l'heure.
Bah non, en plus, attends, tu dis bizarre alors que c'est bénéf pour toi, parce que moi je pouvais pas réutiliser de nouvelles fioles, je peux pas me reposer au site de grâce. Alors que toi, oui, tu je peux. Sais, je sais, c'est pour ça que je dis bizarre. Parce que pour l'instant, mais ensuite on tournera. Mais enfin. Ah, pourquoi je peux pas faire un. La petite boussole qui pue là. C'était bien. Et une fois que t'as fait remettre des doigts crochus. Je peux pas faire le remettre de doigts crochus, pourquoi? Dans le menu multi. Si tu vois mon stream, y est pas. C'est bizarre, non? Pourquoi je l'ai pas? Il faut quoi pour le faire? Parce que j'ai ramassé des Flora Mundi. Moi je vois Wankil Studio sur ton stream. Je vois pas ce que tu joues en fait. Ah bon? Sur Discord là. Mais attends, c'est à chier. Alors. Remets des doigts crochus. Ah oui, effectivement, oui. Tiens, regarde. Ok, bizarre. Mais t'en as crafté un? Bah non. Depuis quand voilà, on a crafté ça, un c'est que t'en as pas. De toute façon, le remède accroché, c'est pour ah, que. Mais putain, attends. C'était pour que. Bah oui, c'était ça qu'il fallait faire avant. Il se fasse invoquer. My bad. Non, le remède des doigts crochus, c'est pour que tu puisses voir les marques d'invocation. Donc là il a utilisé. Du coup, Damien, nous, on utilise le doigt crochu. C'est normal que pas vous voyez le remède, pas, les gars. C'était le pour crochu. Le. C'était. Okay. Non, mais les gars, c'était. Dès que je vais dans le menu multi, je désaffiche le jeu, les gars. Soyez pas surpris. On l'a dit tout à l'heure, hein. Il voulait dire soyez pas con, il a changé par surpris. Attention parce que moi je suis gentil mais le coach va pas tarder à vous dire les mots. Les mots qui font mal. Non mais bon, okay. Quand on dit les trucs et qu'il y a la question dans le chat deux secondes après, bon ça donne envie de foutre des torgnoles. Hein. Ah, vous avez entendu. Ok. J'ai mis une marque non, au sol. Tu devrais voir la terrasse. Je vois l'homme horrible tout jaune, ouais, ça c'est bon. Et je crois que je suis à côté. Et tu es là. À droite. MDR. Ouais. Ah non, c'est pas lui. Si. C'est bon. Ok, j'ai eu peur. C'est pas. Ton pseudo était le bon. Ouais, c'est bon. En fait, c'est que vu que j'avais pas mon casque sur la tête, j'avais oublié que c'était moi. Ouais. Ok, donc là, mon premier boss du jeu, c'est vraiment basique, hein. Ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Boss, vous suivez passez devant, je vérifie qu'il y a rien derrière. Est-ce qu'il y a une strat à savoir? Genre, faut faire vraiment attention, faut. Non, tombe pas. Tu traces, tu me suis. Putain, c'est vrai que j'ai failli sauter. Tiens, on va se faire le loup quand même. Eh bah, il est mort. Ah, je récupère des runes. Comment ça? Bah, je sais pas, j'ai rien fait, j'ai récupéré des runes. Oh là! Ah, nickel. Je vais faire la mousse des cavernes. Coup, sauter, hein. Mais. Et là? On y va! Ah, alors ça, quand on l'a fait tout à l'heure, c'était pour taper. Bon, quoi, l'homme moi, bête de Faroum! Ouya! Oh putain! Saloperie de merde! Ok, on continue comme ça! Vas-y, on est bien, allez-y, on est bien! Les gars! Moi je suis en première loge pour le combat là! Ah, mais tu nous aides pas? C'est ah bah vraiment non, un bâtard! Et... il va faire juste des remarques! Vous avez tout appris là! Ouais, ça c'est très bien! N'oubliez pas que la roulade, quand vous la faites au bon moment, ah, faut que je même lock, si vous voilà. Prenez un. Même si vous êtes dans un coup, il y a des frames d'invincibilité donc vous allez pas prendre le coup! C'est très bien ça! Très bon coup sauté, Terracide. Oh, Thomas, merci. C'est bien. Et si vous faites l'enchaînement à deux, là, un coup sauté chacun, c'est parfait. Oh, okay. Il est stun. Attaquez-le. Ah, merde, Thomas, j'ai le temps de faire l'attaque. Attention. Oh, la belle roulade. Dommage, un peu timé trop tôt. Ouais. Parfait. Encore. Ouais, un petit allez, point, bientôt Thomas, mort. Attention. Oh, c'est joli. Et voilà, ils l'ont fait, ça, vos streamers de merde. Alors... Et voilà, c'est et qui voilà la meilleure OP faire. Voilà. C'est nous. Mais il a rien branlé, il est vraiment assis. Voilà ce que j'aime faire dans Elden Ring, c'est me faire invoquer et regarder les autres se battre pour récupérer les runes gratuitement. Regardez-le. Et pourquoi tu prenais jamais l'aggro? Pourquoi ils s'en foutaient de toi là? Ah bah vous les attaquez, donc bon. Si vous aviez ramené l'ennemi sur moi, j'aurais il y aurait eu de l'adversité, mais là. Ah mais du coup on se fait dégager quand on a marqué. Ok. Ah bah salut les gars. C'est comme ça à chaque fois. Je retourne à l'entrée, c'est bon. Vous avez des Flora Mundis encore ou pas sur... Ouais, sur moi j'en ai crafté d'avance là. T'en as combien? J'en ai 6. Ah, j'ai plus. Des remèdes de doigts crochus ou des ouais. Flora Mundis? Non, 6, des remèdes okay. De doigts crochus. C'est bien, il si t'en as 6. Il m'en manque une là, ouais. Il m'en moque de bois. Allez, bâtard. Damien, va à la cueillette au Flora Mundis parce qu'en fait, dans encore le jeu, tu peux lâcher des Flora Mundis à tes potes, mais tu peux pas lâcher un objet que t'as crafté. Donc on va lui en lâcher plein à Thomas là. J'en ramasse quelques-unes. Comme ça il aura pas à refarmer. Cueillez à chaque pour fois. Moi. Ah, bien joué en vrai. Et les gars, hein, vous êtes. En bien vrai démerdés. C'est moi j'ai une eau hein. Je crois.
Oui, bon, après vous étiez deux. Ah, c'est bon, ok, Sardoff, il est déjà. C'est bon. Moi j'ai dû arrêter Beat Saber. Hein. Mon coach m'a dit mes épaules prenaient trop de place. Non, mais c'est très bien, vous êtes bien battu. C'était sympa. Bonne sensace. Sachez que le prochain boss, ce sera pas une mince affaire. D'accord. Ce sera autre chose, il peut vous one shot. Ah. Mais on peut se heal que. Ah, attends, je peux me heal 5 fois. Pourquoi je pouvais me heal que 3 fois quand j'étais tout à l'heure alors que j'en avais pas utilisé? Comment ça? Bah là j'ai 5 fioles et. Quand t'es dans un monde de quelqu'un d'autre, ton nombre de fioles est divisé par 2. Mais bien sûr. C'est bâtard. Va demander à From Software de réfléchir. Hein. Enfin bref. Qui sont pas chiés, hein. Je peux en crafter un là, mais. Retour au site de l'air, les mecs. Ok. Non. Bonjour. Bonjour. Site délai. On va se réinvoquer. Site délai, le truc de l'église ? Ouais. Ok. On va se balader un peu dans l'open world avant d'aller au prochain boss. Allez, je vous fais le machin. Il faut qu'on level up ? Ah, vous pouvez ? Je le fais si vous juste à l'église. Niveau, là. Je fais juste à l'église de Remède. Ouais, c'est bon. Sachez que quand vous vous reposez au site de grâce, vous récupérez toutes vos fioles et toute votre vie. Donc faites-le hein, dès que vous avez fait ouais, un boss. Je fais là. Donc la montée de niveau, je vous conseille de prendre de la vigueur et de l'endurance parce que vous avez besoin de vie et d'endurance de manière générale. Okay. Et oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Enfin, je crois que je l'ai dit au début, mais oui, quand on est invoqué dans des mondes adverses, le nombre de PV des boss et augmenter du coup, parce que sinon ce serait trop simple qu'il ait les mêmes PV que quand tu le ouais. joues tout seul. Ouais, il est plus dur, il est scalé. Donc là il était plus compliqué, ouais. Du coup t'as fait petit remède de ouais. doigts crochus. J'ai fait Thomas, mon remède, okay. ouais. Ok, je vais faire. Je fais doigts crochus au sol. Inventaire. Doigts crochus. Attends, je me suis trompé. J'ai activé quoi? Comment ça? Ah putain, j'ai fait remettre des doigts crochus, je me suis trompé. Ah bah tu peux. Bah c'est pas grave, tu peux non, quand même bon, utiliser mais... ton truc. Ouais, ouais. Flantier. Bah nickel, tu m'as invoqué. Non, moi tu Attends, le vois près du site de grâce, ma marque. Ouais, c'est bon. Ah oui, très bien, c'est ce qu'on va faire là. Ah, si vous avez des questions dans le chat aussi, allez-y, hein, parce que. Non, non dit, le chat ils connaissent tout, ils savent tout. Ah justement, regarde, un témoignage. Tu m'aides vachement en entraînant Naketera. Ces deux sales fils de pute, vraiment, ils méritent pas tout ce qu'ils ont. Merci beaucoup. Il n'a pas dit la suite, je crois. Allez, c'est parti, à l'aventure. Attendez, je mets une petite pin sur ma map. Comme ça, on est bon. Ah, mais j'ai pas de cheval, même dans ce monde-là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais t'écoutes ton coach ou pas là? Et pourquoi moi non plus j'ai pas de cheval? J'ai encore plus de trucs à faire. Ça marche plus. De quoi? Moi non plus j'ai plus de cheval. Mais c'est normal, on est dans un monde coopératif. C'est énervant. Allez, venez, les gars. Ok, on y va. Suivez-moi, on a une belle aventure à faire. Attention, chauve-souris à gauche. Il commence un peu trop à gueuler là. Vous allez fermer votre gueule vous là? Ah, la gueule a été fermée. Et encore un coup c'était, voilà ça dégage. Plus de racaille. J'ai touché personne bordel. C'est qui gueule là? Mais oui, pourquoi ça gueule comme ouais, ça? T'es mort, tu cries plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, y'a un problème là. Mais qui gueule? Oh des ratons laveurs. Allez hop, on descend. Tombez ici là. Ouais, il doit y avoir un... C'est un regroupement, je crois que c'est une rencontre abonnée de Link's the Sun. Bizarre. Hein. Allez hop. Donc là on va traverser le marais. Vous allez voir, c'est trop stylé en plus, la zone là. Ils nous emmènent face à un serpent géant. Non, du tout. Comment tu le sais? Je crois qu'il y a un truc à looter là-bas. Parce que c'est un marais. C'est vrai. Ah voilà, c'est là, ici. Là où il y a les ennemis là, les gars. Attention Thomas. Non mais va te faire foutre. Oh putain, j'étais en train de me battre avec un bourgeon. Non mais non. C'est non, quoi non, cette je vais merde mourir. Je vais mourir. Non, non, je vais non, mourir. Non, je c'est pas. Normal, c'est normal. Il est con. Mais tapez-le, vous allez voir, il prend super cher. Il y a aucun souci. Comment ça? Vraiment, je vous non, avais. Non, c'est faux. Ça sent le. Alors là, j'attends que l'un que le fasse d'abord pour okay. s'il prend des dégâts. J'y vais. Pourquoi je gagne pas de vie quand je fais ma potion? Ya Oh, je suis mort. Hein. Il a one shot.
Hey, Thomas, okay. Hey, c'est bien, j'approuve le courage là. Ok, j'attaque les pattes. J'ai j'attaque raté. La queue. Ok, je ne touche pas la queue. Je la touche pas. Oh, j'ai failli être one shot. Putain, en fait, c'est pas la bonne potion que j'ai, je crois. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais va te faire foutre. Oh le bâtard! J'ai péri. Mes runes! C'est très bien. Le doigt crochu terracide est mort. Bon, vous voyez que c'est pas simple, hein, Elden Ring. Putain, mais horrible! Non, mais je savais déjà, j'avais pas besoin de ça. La pour le savoir. De cette histoire, c'est ne jamais croire son coach. D'accord? Putain, mais quel connard! Mais le problème, c'est qu'il est tellement grand que. Déjà, pour s'éloigner de lui, il faut faire un giga sprint pendant 10 secondes là. Ouais, en gros, ce mob là, on peut le faire à ce niveau là, mais Non. Il est bonheur, hein. Si, tu peux non, le faire, mais faut être patient. Et en fait, si t'as déjà fait tous les souls dans ta vie et que tu tryhardes, mais pas comme ça là. Non, en vrai, avec la monture, c'est beaucoup plus simple. Donc, mais c'est vu qu'on l'a Hugo, pas en coop. Hugo est mort le premier, c'est vrai que. Ah ouais, moi je me suis fait one shot, j'ai pas du tout de vigueur. Non, mais je parlais de ça. C'est pour ça qu'on dit ça. Ouais, ça marche, ok. Ça marche. Non. Ok. Allez, retour à l'église des lerres. Ouais, il va faire toute la soirée, ça va être des blagues. Je vais vous emmener devant de grands boss. Hein. Et elle est là, cueillir des cerises. Et voilà, elle prend notre cueillir de fleurs, on va recrafter des trucs. Elle met le caca dans la terre là, oulala. Elle a parlé à la petite sorcière qui est là sur le qui a son cul sur l'église. C'est celle qui va vous donner l'objet pour pouvoir faire des invocations dans le jeu. Il n'y a pas de sorcière qui a son cul sur l'église. Si, Reyna la sorcière. Elle a un visage fantôme. Tu as mal fait ton travail, Damien. Bah, c'est quoi que je dois faire quoi pour qu'elle soit là? Ah, c'est parce qu'on a battu un boss dans le... T'as ramassé... T'as torrent? Ouais, je l'ai. Demande la carte? J'ai la carte. Ok, c'est bizarre. Elle est censée être où? Essaye de te TP au site de grâce où t'as chopé la carte et de revenir au site de grâce de l'église. Faut être de nuit. Mais je suis la nuit. Un truc. Ah, dommage. Réessaye. Oh, attendez. C'est good? Tu l'as ou pas? Normalement, elle a son cul sur. Ouais, je vois personne. Ouais, elle est là, avec son chapeau à gauche. Je l'ai vu. À gauche. Ouais, elle est là. Tu lui parles. Tu finis son dialogue et tu vas débloquer les invocations. Gandalf le gris. Je vais écouter ce qu'elle m'a dit, je lui dis en effet. Cloche, ment d'esprit. Voilà, donc ça sans c'est. Solitaire. Vous pouvez tester en vrai, hein. Vous équipez une invocation, celle qu'elle vous a donnée dans votre équipement. Vous allez dans l'équipement et là où vous avez vos fioles, vous mettez dans un slot vide cendre de loup solitaire. Ok. Une fois que c'est équipé, vous appuyez sur flèche du bas et vous vous approchez genre de mouton et vous appuyez sur carré pour les invoquer, pour voir un peu ce que ça donne. Vous allez voir. Merde. Et en gros, dans le jeu, c'est une nouveauté, il n'y avait pas ça dans les Souls avant. Il y a plein d'invocations que vous pouvez trouver dans le jeu. Ah, il y a des trucs genre vraiment stylés, genre tu peux même parfois invoquer des mini-boss quand tu les trouves, les trucs c'est vraiment cool quoi. Ils attaquent pas le mouton. Ouais, ils sont très alors lents. Les moutons, c'est normal, c'est parce qu'ils sont pas. On va se faire un chevalier. Ils sont pas acerbes en fait. Essayez de les amener vers les chevaliers. Allez, ouais. Attaquez lui là. Ah, je suis trop fort, ça va mon problème, putain. Ah, le stream ram à cause de Discord, merde. Bon bah, je l'enlève. Allez, Clébar. Ils sont encore avec moi? Mais ils sont plus là. C'est bon, ça rame plus? Normalement, ça devrait être bon là, les gars, dites-moi. Ça rame plus chez moi. Ah non, ils disparaissent au bout d'un moment. Ouais, t'as vu, ils ont disparu. Ouais. Avant même d'être utiles. Bah oui, connard. Ouais. Ouais, c'est transparent. Enfin, c'est pas permanent quoi. C'est soit ils meurent, soit il y a un chronomètre qui se termine et ils partent. Ok, retour à l'église des laits. Cette fois-ci, on va refaire la même chose, sauf qu'on va éviter le dragon et on va aller au. Ah bah en fait non, parce qu'il faut qu'on aille au prochain boss. T'as combien de remèdes de doigts crochus, Thomas? T'en as deux? Je peux en faire un.
Ok, fais-en un, invoque-nous et on va te drop des Floramundis. Ramasse-en Thomas, Damien, comme ça on va en dropper. J'en ai déjà des Floramundis, je crois. C'est fait. Ok, nickel. J'en ai 9. C'est beaucoup. Ouais, on va tout lui dropper. On doit crochu, Damien. Thomas, tu nous invoques, on va faire le chemin et ensuite on va faire le prochain boss. Et voilà une belle marque au sol. Ah. Ah. J'aimerais bien. Je vais essayer. Je pense qu'on va essayer de faire un truc pour le prochain boss. On va essayer de faire une règle. On a le droit. On va devoir attaquer chacun de notre tour, d'accord? Donc genre, moi je mets un coup, ouais. Je recule. Ensuite c'est à Thomas, tu mets un coup, tu recules. Ouais. Ensuite c'est à Damien. C'était pas déjà assez dur. Hein. Et celui qui meurt. Et c'est le plus gros caca de la planète Terre, d'accord? Eh, d'accord, mais alors, il y en a un qui a 5 potions et deux autres qui en ont 3. Bon, arrête. Comment ça? Ok, Thomas, tu devras mettre 3 coups avant de partir. Mais je vous emmerde. T'as le droit d'utiliser que 3 potions maximum. Au-delà de ça, tu es mort. Tu es mort, tu as perdu. Attends, je vais essayer de te laisser les Floramundis. Vas-y. Bon, on drop les objets de son inventaire. Alors ce que tu fais, tu vas dans ton inventaire Damien, tu vas dans matériaux d'artisanat, tu mets en surbrillance Floramundis et tu fais laisser. Normalement au sol, là, t'as un truc... Laisser, et je t'en mets 9. Non, regarde ma tête là. Je t'en mets 6, me les donnes, c'est bien trop. Tu me donnes tes Floramundis. Voilà. Merci. Voilà, prends. Oh, j'en ai plein là. Allez, venez les mecs, c'est parti. Bon, attention au Bougzer là, à droite. Hein. Oui, bah oui, on a vu du coup. On va pas se le tenter, hein. Il y a encore les mecs, la sentinelle de l'arbre. Attends, on va voir ce que c'est parce que ça me chiffonne ça. Vaut mieux faire des roulades ou parer. Roulades, c'est plus simple. Ouais, ça m'a l'air plus simple. Ouais. Mais c'est les chauves-souris qui gueulent comme des tarés. C'est eux qui gueulent, ouais. C'est eux, ils font. Pourtant, on leur avait donné une leçon tout à l'heure. Ils gueulent comme des humains, les cons. Non, plus, ils continuent de gueuler, même mort. Oh, okay. Oh, ça continue. Oh, oh, bah dis donc. Ah mais oui, il y en a qui disent c'est les mecs sur les poteaux. Ah. Ah bon? Mais oui, il y a des mecs sur des poteaux. Ça expliquerait tout. Ah oui, d'accord. Attends. Oui, je les vois. Ah, ça fait sens. Je suis jamais passé la nuit ici, du coup. Ça va pas, hein. Ouais, ils sont accrochés là. Ça attends, va les gars. Tu vas la fermer ta gueule. Attends. Alors toi. Il y a des gens qui aimeraient dormir là. Ah, ils sont déjà bien cramés là. Faut pas les décrocher. Oh là. Ah. J'ai eu beaucoup de lumière. Putain, je pensais pas que tu l'avais fait taire. Bon allez, c'est parti, on contourne. Alors du coup, l'endroit... Vous voyez ou pas mes pins sur la map quand on est en coop? Là... Non. Je là, vois non, le non. GPS de Link, ça me le... Je vois où ouais, c'est pareil. Ok, alors en gros, je vous montre ici. Vous voyez le. En face là. Il y a une espèce de grande structure qui est tombée à droite et qui fait une sorte de pont rond là. Oui. Vous voyez? On va passer par-dessus. Et derrière, il y a des espèces de petites ruines au bout là, tout en face. Mmh. Et ben on va aller par là. Et ici, il y a un boss, vous allez voir. Ok. Un boss, quel niveau? Facile. C'est un boss que tu peux faire au début, normalement. Oh, bah dis donc, j'ai marre. Ah, Asterix. Bin, Sabine, Bin. Gracias, Elden Ring. Eh, faut que je fasse gaffe parce que moi, si je prends des hits, c'est définitif. Hein. De toute façon, on va faire juste le chemin. Hein. Je vais devoir nous réinvoquer pour aller dans la salle du boss. Ah, Floramundis. Okay. Miam. Suivez-moi, bah, attends, les gars, on va tracer. Ouais, parce que comment on monte sur le pont là? Ne t'inquiétez pas. Hop là. Ah, je pourrais faire un petit truc, mais ce serait bâtard en vrai. Haha, y'a un énorme boss à gauche. Pas, hein. Tu veux ou pas? Bon. On va mourir? Si on va mourir, non. Non, on va faire autre chose, c'est pas grave. Tiens, viens Thomas, y'a un coffre là à récupérer, c'est un objet qui faut que tu prennes aussi, Damien. Non, du tout. Bah, moi je pourrais pas le récupérer dans tous les cas. Attention au chien. C'est quoi ce gros attends, caniche de merde? Attends, le sale clébard. C'est vraiment un caniche, c'est canigou. Il est horrible. Et il a beaucoup de vie, hein. Il a beaucoup de vie. C'est il y en a plusieurs. Il y en a un autre. Oh, il a des enfants. Ok, c'est bon. Alors, venez.
Je retrouve où il est le coffre. C'est un piège. C'est un objet qui est... Non, non, oh pardon. Oh là là, il y a du monde là au balcon. Ah si, si, j'ai trouvé. Là. Mais putain, il est où? Je suis certain qu'il y avait un bousin à récolter ici. Il va nous emmener quelque part et il y aura un boss de niveau 3000. Ouais. C'est peut-être ici, à l'arrière. Non, là il y a des ragondins, ça sent la bite. Lui, je veux pas. Il voulait pas de soucis, il a reculé. Ah bon? Derrière bah, toi, un sale rat de merde. Ouais, parce que là, il. Ok, j'ai trouvé. J'ai pris un sale coup dans le dos. Ouais, venez, je les gars, tuer, venez. C'est bon. Ah, ok, on arrive. Thomas, faut que tu sois en première ligne parce que s'il y a que toi qui peux ouvrir les portes, par contre. Il y a des ennemis en fait en bas. Ok, ok. Vas-y, viens. J'y vais. Ok, hop. Tu traces au bout. Attaque pas. Ah, y a des scalaras. J'ouvre. Oh, dépêche-toi, je cours. Ah, je peux pas récupérer, forcément. Oh, putain, pourquoi y a un message de merde? Je peux pas ouvrir le coffre. C'est quoi le message? Ah, je. Attention, piège. Mais je m'en fous, moi, je veux juste ouvrir le coffre. T'as plus de vie, gros. Ouvre le coffre. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu peux ou pas? Changer d'action. Putain, mais je peux pas l'ouvrir. C'est quoi ce bordel? J'essaye, tu peux pas l'ouvrir? Non, je peux pas. Ah, putain, dommage. C'était un piège? C'est pas grave. C'était un piège, petit bâtard. C'était un piège. Je sais pas ce qu'il y avait dans le coffre, mais clairement, c'est un truc qui s'active que tout seul, donc c'est pas une récompense. De toute façon. Non, y'a rien. Il me dit, vas-y, passe devant surtout, hein. C'est important. Hein. Ah bah, on aurait pas pu passer sans que t'ouvres la porte, hein. Ouais. Ça, c'est vrai. Attention, piège. Bah oui, en plus, y a un truc qui te dit, attention, piège. Bon, alors pour être honnête, en fait, c'est un coffre qui te téléporte dans une zone à la fin du jeu et tu te fais bouffer le cul. Donc, C'est un comme dans Harry Potter, cette épée ouais, là. J'aurais bien aimé. Chemin de travers. Ouais. Tu es consanguin, Harry. Je crois que c'est. Je sais plus si c'est une zone de la fin ou si c'est une zone qui est fermée et t'es contraint de faire la zone en fait. Vu que je l'ai fait au début du jeu, je me rappelle plus. Mais il y a plein de pièges en fait où c'est des coffres, tu les ouvres et ça te TP à un endroit du jeu alors que t'as rien demandé. Mais je préfère ça à la rigueur parce que dans Dark Souls t'avais des coffres que tu ouvrais. En fait les coffres ils te mangeaient et tu mourais. Donc bon. Ils te mangeaient, d'accord, très bien. On est bientôt arrivés les enfants. Hein. Non, toi aussi t'as dû faire demi-tour pour contourner le rocher. Ah oui, je t'ai vu sauter sur le rocher, j'ai fait la même chose et... Bah oui, mais du coup, j'ai réussi. Oui, mais je comprends pas. À droite, il y a un mec costaud. Courez. Faites pas attention à lui là. Il est complètement Eh hey, bah dis donc, il y a du monde là. Putain, hein. Les pèlerins. Attends, on s'en juste fout, on marche. Faut courir, ouh, entre. Ok. Sinon, on va jamais y arriver. Ok. Ici. Parfait. Vous me suivez, vous êtes derrière? Ouais. Okay. Il y a une. Alors, courez. Ok, faut surtout pas tomber dans les crottes vertes parce que sinon ça nous empoisonne cette histoire. D'accord. Venez, attention, ça tire des lasers. Mais on va où? Venez. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut que je retrouve la zone du boss, elle est dans le coin. Alors. Flora Mondis. Est-ce que vous pouvez mettre une pin sur votre map? Attention! De toute façon, on peut pas encore. Je crois que c'est ici. Sauter là. Ah putain, on peut pas. Oh là, y'a taille! Attention! Je vais retrouver. Putain, mais c'est un véritable labyrinthe ici. Mais je vais le trouver ton bousin alors. Bah alors, tu cherches quoi? Shibadi Badoum. Y'a un petit endroit ici. Qui est caché. Où ça? Là. Allô? Ouais. Ici, je saute dehors. Attends, mais t'es dans le poison là? Ok, c'est bon. Non, y'a rien. Mais y'a un trou, y'a un portail jaune. Putain, j'ai bu ma fiole. Tiens, viens, Thomas. Oh, bien joué. On peut le faire ou. Ah, ouais, ah on peut putain, faire. Mais j'ai bu mes fioles ah, là, nickel, y'a pas un site de grâce. Eh ben non, allez, à l'ancienne, oh, putain. C'est parti. Allez. Oh, c'est la merde. C'est parti, mon cliqui. Oh, il a une tête de marmite. Alors, il one shot. Attention. Il one shot. Il vous donne un coup de tête, il one shot. Faites Bellec. Oh bah c'est pratique ce truc là. Pour moi une petite aide mais c'est tout ce que je prends magique. Link, tu es moins de midlife. Oui, pas de problème.
Voilà, ça, c'est un one shot, fais gaffe. Par contre, ça, la DA du boss est trop belle. Et Marmiton le, là il est KO. Le cap. Allez, il est pas bien, oh, il est parfait, pas bien. Tu as mis le doigt dans le cul, parfait, parfait, on continue. Oh putain. Ah non, ça one shot pas, ok, j'étais un peu marseillé sur le coup. Oh, ça saigne. Oh, bien mais joué, non, mais. Mais il est à chier. Oh là là. Mais les gars, je suis un peu étonné parce que du coup, la prochaine étape que j'avais marquée dans mon stream, c'était faire Margit. Hein. Donc. Non mais de rien, Bandai Namco. Non, Nanko. Bah non. De rien, bah Bandai Namco. On va pouvoir faire Margit. Hein. Y a aucun problème. Non parce que Margit, c'est ce que je vois passer sur Twitter à chaque fois. Les mecs, ils sont fiers d'avoir battu Margit. Donc c'est clairement pas un truc qui se passe au bout d'une heure de jeu. Mais on le ouais, bat. Mais à trois. Bon allez, vous êtes de retour à l'église des Lerts normalement. Ouais, alors, je attends. Me repose pour avoir les. Sauf, monter de niveau. Thomas, je pense. Attends. Ouais, deux secondes. Force. Ouais, force. Ouais, mettez ce que vous voulez. Dextérité et endurance. Ah non, il me fallait de l'endurance. Ah. Attends. 17. 12. Et Thomas, tu vas crafter le maximum que tu peux de remède de doigts crochus. D'accord. Avec toutes les fleurs à Mundis que t'as maintenant, normalement tu devrais être bien. Easy Margit MDR. Oui, bah toi, c'est oh, qui qui a dit ça? Je pense que c'est facile. Qui a dit ça? Un connard, en ferme, tout cas, je sais pas qui là. Est un connard. Ferme là. ouais, je pensais faire en fait un autre boss avant du coup. Y a le chevalier du creuset qui est cool. Ou une espèce de merde à quatre pattes avec une armure qui fait très très mal. Vous préférez quoi? Un chevalier normal mais qui peut nous one-shot? Ou un chevalier en mode Wolverine qui nous two-shot? Ou alors on va direct à Margit et on se dit on a 45 minutes pour le battre et c'est très bien comme ça. Mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Bon, mais là alors, le truc en fait c'est qu'on est 3 et du coup les boss ils prennent l'aggro que d'un, du coup c'est plus facile. Bah après on peut se mettre un défi de Squeezie en mode il y en a qu'un qui se bat et dès qu'il est pas bien c'est l'autre mais qui on prend... ne... Oui mais Thomas on ne tank pas, si on se fait toucher on est dans la merde. Margit, faut être bon c'est tout hein. Margit il two-shot sur certains combos. Eh, hey, qu'est-ce que vous voulez, moi je le problème, suis. C'est que hey, c'est un quoi, peu... hey. C'est un jeu de Die and Retry, mais quand on meurt, il va falloir recrafter des merdes. Du coup, c'est cool. Ouais, c'est pas grave, de retour plein. À l'église. Ouais. De retour ouais, à l'église. Ouais, vas-y. Ah non, on va faire mieux. Vous vous TP au... Vous savez, au feu où vous avez débloqué... le cheval. Temps, la monture. Ça s'appelle porte, normalement, le feu. Ouais. Ouais, c'est celui où il y a une traînée. Et là, tu utilises ton remède de doigt crochu, Thomas, et Damien et moi, on fait le doigt crochu tout seul. Alors, d'accord. Faire doigt crochu. En vrai, je pense qu'il est largement faisable, Margit à 3. En fait, ça me paraît tellement simple depuis le début. Bah vas-y, on essaye. Non, mais en t'as tout raison. Cas, si... Non, mais c'est bien si on le fait. Les gars, on tente Godric, et on sera, je pense, les seuls en stream coaching à avoir fait Godric. Hein. Enfin, je à aller que jusqu'à Godric. Bandai Namco est en train de trembler du cul, en train de se dire mon dieu, mais regardez, ils galèrent pas une seule seconde, ils vont penser que c'est un jeu easy. À deux doigts de débloquer du budget pour un deuxième stream avec nous, quoi. C'est vraiment. Ce serait dommage de nous redonner encore plus de fric. Hein. Mais bon. Allez. Margit, c'est rien comparé à la suite. Oui, non, mais oui. C'est bon, arrêtez de vous branler dans le chat parce que vous êtes allé loin dans le jeu. C'est bien, moi j'ai 60 de niveau sur Dark Souls. On a jamais joué à des Dark Souls ou. J'ai 37 ans, toujours pas fait l'amour, mais j'adore l'Heroic Fantasy, la Medieval Fantasy, 37 en dextérité. Ouais, je peux te dire qu'après mes 150 heures sur Elden Ring, et ma Margit, c'est rien du tout, c'est de la piste de cire. j'ai toutes les invocations du jeu, enfin bref. Je suis une sorte de boss du jeu moi-même, hein, j'espère qu'ils vont m'implémenter dans une prochaine mise à jour. J'essaie de vous invoquer. Ouais, c'est bon, tu m'as invoqué là. Sardoche la trichote celui-là. Hein. Enfin bon. Évidemment. Ok, maintenant. Session rando. On va courir, les gars. On va courir. Allez. En route. Moi, je vous suis. Sachant que Damien, tu auras la lourde tâche de refaire tout ce chemin tout seul. Pourquoi? Ah bah, parce qu'il va falloir qu'on se retrouve pour Margit. Hein. Je pense pas qu'on puisse aller directement à la zone. De Margit, comment on se met à deux mains? Ah, c'est y a bon, pas de site de grâce près de Margit. Si, si, mais je crois qu'on est obligé de se réinvoquer avant Margit, je suis pas sûr. Oula, Terra, je te vois ramer. Va peut-être falloir que tu retournes dans ton monde. Bah non, je vois bouger toi, Thomas. Je te vois bien, ouais, je le vois bien. Ah, bon, moi je te vois pas en fait, Hugo. Ah non, le doigt crochu Terracide a retourné dans son monde. Ah bon? Parce que moi je le vois pas. Faites tous un briseur de doigts et on va recommencer l'invocation, c'est pas grave. Inventaire. Briseur c'est de doigts. Les serveurs.
conseille d'arriver à quel niveau avant Margit? Bah écoute, je l'ai fait tout à l'heure en refaisant ma partie à zéro niveau. Je refais le remède. Ouais, je l'ai fait niveau 30, 33. C'est fait. Oh bah ça va, attends, on est quel niveau? Niveau 13, bah c'est bon. Bah parfait. Non, on est 3, ça devrait le faire. C'est bon. Mais 13 x 3. Mais il c'est est bon. Pas 3 fois plus fort une connerie comme ça? Il tank beaucoup, mais c'est faisable. Il a 3 fois plus de vie. J'y crois. Mais il aggro quand même qu'une personne. Si on le bourre. Attends qu'il fasse une attaque en cercle. Qu'on rigole. Ah, qui nous tue tous les trois. Ouais. Ouais, qu'il peut nous one shot sur cette attaque. Ouais, mais vous connaissez ces patterns là. Moi je vais foncer comme une merde et je vais rien comprendre. C'était quel genre de difficulté du coup? Obligation de pas se faire toucher plus de deux fois sinon mort. Donc compliqué. J'ai mis ma marque normalement, Thomas. Moi j'ai mis ma marque. Oh, pour l'instant. Ça met un peu de temps des fois. Hein. Essaye de te. Si ça marche vraiment pas, dans une minute, dans 30 secondes, il faut peut-être que tu te reposes au site de grâce et que tu réutilises un remède de doigts crochus. Ouais, je vais le refaire, je crois, parce que je me suis reposé entre temps et je pense que ça. Ah, oui, si tu te reposes, ça annule. Ouais. Ouais, merde. Ah putain. Ouais, en fait, tout dépend, les gars. Si vous voulez faire. Y a pas de niveau pour faire les boss. Ça dépend de votre skill et de votre ennemi, quoi. Si vous voulez galérer pendant 10 minutes. Ah, mais je vous vois. Vous pouvez, si vous voulez faire ça easy, bah vous avez la magie, les invocations, les centres de guerre. Et vous pouvez farmer des niveaux. Il y en a pour tous les goûts, les amis. Voilà, même les goûts de chat. D'ailleurs, vous allez me cliquer dans ce lien dans le chat là. Point d'exclamation Elden Ring dans le chat. Et vous cliquez. Ça clique. Point d'exclamation Elden Ring, je le fais, vous avez pas besoin de l'écrire. Ça fera plaisir à tout le monde. Point d'exclamation Elden Ring. Et ça clique sur le lien. Tous sur le lien là. Et les tas de Saint-Doux qui sont dans leur canapé, on vous voit. Vous levez, vous cliquez. Allez, 2-3 pas là. C'est pas grand chose. Des fois, c'est même pas un pas. Faut ramper là. Vous cliquez sur ce lien, les gars. C'est bon, on est tous là. C'est good. Ok, bah allez, c'est parti. On te suit. Il va falloir courir, hein, les mecs. Hein. On court, on court. Bon, là, y'a rien. Portorage. Ah si, y'a des soldats. Oui. Oh là, oh là, oh là. Je ne peux pas monter. Ok. Putain. Oh, putain, c'est compliqué, hein. Ah, mais il est même pas descendu, le géant. On était trop rapide pour lui. Ok, tout en haut du chemin, on continue, on continue. Ah putain, c'est des champignons, c'est pas des fleurs à Mundis. Il met un coup de trompette, lui. Faites gaffe, bah, il sort des sentiers battus, là. Voilà, parfait, c'est bien. Allez-y, les gars, vous pouvez le faire. Tu nous regardes, là. Le chômage, là. Allez, allez. Encore un peu. Bien joué. Voilà, parfait. Ah, bon, Damien, c'est toi qui commencera à attaquer Margit, du coup. Pourquoi? Tu l'auras mérité. Sale ok. Con. C'est quoi? Je pense que il se laisse prendre un coup à mon avis avant d'attaquer. On va voir ça. Thomas, t'as une petite graine là à ramasser par terre. Ouais, un régal. Et moi ma graine elle est où? Bah tiens, elle fait enculer. Dans ton bah, monde oui. Dans ton cul. Et du coup au prochain site de grâce quand on sera... Ah je sais pas si... Non, tu vas attendre. Des loups. Les gars ils font mal hein. Ouais, bah c'est pas les seuls là. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ah bah très bien. Ça va, vous gérez bien. En vrai, je pensais que vous alliez être plus nul que ça. Ah, mais je peux pas le prendre, le site de grâce qui est là, à droite. Non. Et là, qui peut? Thomas, toi, active-le. Moi, je peux. Oh, une heure parce de connexion. Parce que c'est mon monde. Merde. Le doigt crochu flantier, MDR, et retourner dans son monde. MDR. C'est encore tous les deux ou pas? Ouais. Ouais. Ok, bon, je reviens sur ce site de grâce, bouchez pas. Bouchez pas. Bouchez pas. Ça va bien, je suis pas chier. Putain, c'est chaud les potions là parce que. Faut vraiment pas perdre de vie avant d'y aller quoi. Bah, si, non, parce que voir. Si tu te reposes à un site de grâce, c'est bah bon. Moi je peux pas me reposer là. Je peux juste le toucher. Ah, tu peux pas? Non, je peux pas. Non. Ah, donc c'est à dire que même dans ton monde, t'es baisé? Oui, oui, je suis aussi baisé que vous. C'est super dur. Ah, mais peut-être que tu vas nous réinvoquer juste en fait. Avant qu'on le fasse. Oui, je pourrais. Ouais, mais... c'est pour ça, je pense qu'en fait c'est pas possible d'aller dans la zone du boss direct. T'es obligé d'invoquer avant, juste avant Margit. Ok, d'accord.
Bon bah c'est bon. J'ai mis ma truc, Thomas. Bon, peut-être que tu réutilises un remède, je sais pas. Oh merde, attendez, je reviens. Oh, drama. Ah non, y a ma marque, c'est bon, elle est au sol. Ah oui. C'est bon les gars. Hop. J'avais oublié de prendre une crêpe et un savane. Ah, j'en étais sûr que t'allais prendre une espèce de grosse. C'est vrai, c'est l'heure. 22, à peu près vers 22h, il y a toujours un... 22h20, c'est l'heure de faire de la crêpe. C'est quoi les clés lames de pierre? Attendez, urgence. Oh, j'avais oublié de retirer mon plug anal, ça fait une semaine. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur du bouchon de liège. Allez, c'est parti. On continue, il y a encore un petit peu de route à faire, on est bientôt arrivé. Ah, on esquive aussi ou on attaque? Ouais, on esquive. Sinon, on n'a pas fini. Oh, allez, on se les fait, ils ont cherché. Ils ont rien demandé. Voilà, c'est bon. Ça dégage la racaille. Parfait. Ça fait des runes, hein. Oui, et puis des fois, regarde, carreau et pierre de forge. Jambière. Ah, pierre de forge, c'est bien. Pierre de forge, c'est un truc qui vous permet d'augmenter la... d'améliorer vos armes. Et du coup, ça augmente ses stats, vous faites plus de dégâts avec. Suivez-moi, on va pas combattre là parce qu'il y a du monde. Vraiment, suivez-moi parce qu'il y a une arbalète et elle peut vous faire chier. À gauche, un petit saut là. Attendez, fais ma crêpe. C'est pas compatible avec un Souls-like. Oh, pose ta crêpe. On meurt par gourmandise. N'empêche, on n'est pas encore mort dans ce Souls-like. Sauf la fois où Hugo nous a prank. Donc je tiens à dire qu'on est quand même extraordinaire. C'est vrai. C'est donc vrai. Au-delà du prank, on n'est pas mort. Et on va peut-être pouvoir commencer Margit direct en fait. T'as un site de grâce à gauche, Thomas. Niam. J'ai l'impression qu'on peut. Bon bah nickel. Niam, niam, niam. Allez, c'est parti. T'as un truc là, je peux rien faire avec. Ah, t'es rentré ? Il a une scène. Ah. Ah. C'est normal. Il va avoir une cinématique. Ah merde, je l'examine. On va devoir attendre. Ça sert à rien, ouais. T'inquiète. Vas-y. Rentre là dans la fumée là et regarde la cinématique. Ah, moi j'ai pas de fumée. Une fois qu'elle est. Oui, c'est normal. Rentre. Vas-y, n'aie pas peur. Oh, si, pas j'ai peur. Si, j'ai peur. On te voit plus, hein. Ouais, ah, pourquoi j'y vais tout seul, j'ai peur. Vous restez derrière moi, hein. Surtout que tu vas commencer le combat tout seul parce qu'il faut. Il y a l'animation où on doit rentrer par le portail. Oh, bordel. Ah, oui, d'accord. Donc c'est un vieux monsieur tout poilu, dégueulasse, avec des champignons sur la gueule. Il fait très mal, hein. Oh non, qui a passé? Bah, c'est pas moi. Pardon, c'est moi, je croyais que je voulais pas vous faire attendre, quoi. Je rentre. Eh bah tiens, allez. Va-t-il pas que je retrouve... Oh, c'est mon vieux Margit. Bon, je me permets, hein, d'utiliser un peu de magie. Ah, il fait mal, l'enfoiré. Attention, messieurs. Allez-y, dans le cul, dans le cul. C'est bien, en recul. Ça, ça pique. Allez, du coup, c'est bon. Si vous voulez, je l'aggro. Je l'aggro sur la patate. Attention, Thomas. Ah, c'est bon, tranquille. Gardez un truc à l'esprit, les gars, vous faites toujours la roulade au dernier moment avant de vous faire toucher. Ouais. Link, il toi. Ouais, ah oui, merci. Toi. Bien vu. Attention. Bien. Vu. Ok, je l'attaque dans le cul. Aïe, 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 je l'ai pris, c'est fait un coup de magie. Ah, le bâtard. Il va passer en phase 2 bientôt. Oh, il m'a trigger là. Ah oui, t'aimes pas là. Oui, c'était vous. Ah, oh, le la vache. Link, il. Oh, ce que j'ai pris. Ah, deuxième phase. Alors ça, attention, c'est one shot. J'espère qu'il me faut plus. Attention, reculez. Oh putain, ça va pas bien, Damien. Non, mais je connais pas les attaques. Aïe, aïe, aïe. C'est là, ouais, dans mon cul. Thomas, tu vas mourir. Faut pas que tu meurs, toi. Oh non, il est mort. Oh, comment je suis mort. Oh, comment je suis mort. Oh non, je vais retourner dans mon monde. Je déteste mon monde. Putain, c'est dur. Je déteste ma vie. Ah, c'est en vrai, on avait fait. En vrai, par bien, contre, on va le buter, hein, par contre. Oui, oui. Là, je fais le c'est foufou. C'est 5 subs, par contre. Oui, oui, comme tes 5 subs. Y'a pas ah, de problème. Pas oublié, ah non, non. Attends. Ah, je vais avec mon cheval chercher le site de grâce pour qu'on soit plus proche, parce que sinon... Ouais, vas-y. Et prends la graine dorée aussi sur le chemin. Ah, d'ailleurs, Thomas. Ouais. Site de grâce, tu fais ajouter une dose de fiole. Comme ça, t'en auras 6, je crois. Ouais, mais ça me sert à rien, puisque moi, j'en aurais que 3 max. Ouais, mais c'est mieux que... Ah, j'avoue, la prochaine fois, je vais mettre mes loups.
je crois que tu n'as pas le droit aux invocations, enfin aux esprits quand tu es en coopération. C'est pas sympa ça. On va le faire. En vrai, j'aimerais trop qu'on réussisse maintenant, comme ça, si on peut rusher Godric, ce serait vraiment propre. C'est qui Godric? C'est l'autre mec d'après? C'est le prochain boss, ouais. Et il est plus compliqué. Hein. Putain, mais pourquoi j'ai été téléporté au bastion de la table ronde quand j'ai pris le... Ah, alors en fait, c'est un peu le hub du jeu, c'est le Nexus, et elle t'amène à un moment... Je l'emmerde. Milena, donc ta maiden, elle t'amène ici, et en fait, c'est bien parce que t'as un forgeron qui peut augmenter tes armes au-delà d'un plus 3. Mm-hmm. En fait, dans l'open world, il y a des endroits où tu peux augmenter ton arme jusqu'au niveau plus 3, mais là, tu peux l'augmenter au-delà. Tu peux augmenter aussi des armes de boss. Il y a plein de PNJ avec qui tu peux parler, qui ont des quêtes ou qui sont reliés à des quêtes et qui peuvent te faire gagner des armures, des objets, des trucs. C'est un endroit pour en connaître un petit peu plus sur le lore notamment, mais l'endroit est vraiment stylé. Et du coup, t'as la table. J'ai rien écouté. Ok. Ouais, c'est mon travail de coach. Ah, ça va, je me suis reposé. Connais un peu l'histoire vu que t'as regardé 20 heures discuter, Damien. Au moins 45 heures. Voilà. La porte ne bouge pas. Est-ce qu'on peut du coup refaire le boss là? Attends, je m'endors. Bah, j'essaie de sortir du hub. Monter de niveau, je peux monter de niveau. Link, check. Moi, je peux monter de niveau. Je peux pas, moi. J'ai 4000, donc... Force, vigueur, endurance. On va mettre en force. Il manque 5000 runes. Je mets ma marque devant la porte. Faut se TP pour sortir. Ok. Après, si on est gourmand, on peut invoquer un quatrième mec, mais bon, je pense pas que c'est ce soit nécessaire. C'est cave du relais en ruine. C'est tunnel de garde-fort, le nom du... Ah oui, c'est ça. Checkpoint. C'est bon. J'ai mis ma marque juste devant la porte de Godric. Attends. Ouais, c'est ta marque, ça? Toucher la marque d'invocation dorée. Bah, je vais mettre ma marque aussi. Attends. Alors. Ouais, je me rappelle plus exactement où on avait réussi à aller, mais moitié de vie, hein. C'est pas dégueulasse, hein, moitié de vie. Hein. Il était pas à la moitié, en vrai. On a pas fait une à moitié. Non, mais si, c'était pas mal. Oui, on a avancé. On était à la P2, c'est pas mal. Mid-life. Ah oui, la P2, voilà, c'est ça. Mais bon, je suis appelé. Tu m'as trouvé. Ouais. Moi, j'ai mis ma marque. Je te cherche, parce que là, lui, c'est pas toi. Lui, c'est pas de toi. Il a dit que le code. Oui, je sais, mais bon, au bout d'un moment, on a dit qu'on s'en foutait, donc. C'est ta faute, hein. Mais bon. Enfin. T'as dit que le code, hein. Ouais. Bon, la soirée est foutue, quoi. Bah bon. Il a plus de fleurs à 1010, Link, hein. Enfin, bref. Bienvenue dans mon monde. Allez, c'est parti là. J'ai envie de lui faire le cul à Margrit. Allez, Margrit. Oh oui, je sais que c'est l'heure de ma prise de température. Voilà. Eh bah, je l'ai prise dans la tronche celle-ci. Oh, on lui fait vraiment zéro dégâts. Oh ah, il t'aime bien. Des dégâts. Ça va là. Ah, t'as sauté là. Au secours. Non, c'est bon. Ah, faut que j'attende plus. Ah, t'es tombé! Bah oui. Ah oui! Il m'a mis au bord! Il est tombé! Attention! Ah, j'attends pas, j'ai pas le timing, hein! Et voilà. Bah! En plus, quelle aventure! Wow. J'ai peur de mon monde! Ça se passe moins bien que la première, hein! Ah bah là, déjà, il nous manque un soldat! Mais... Oh la vache! Ça lui fait pas tant de dégâts! Oh là! Ouais, j'ai mis deux fioles. Ok Thomas, on va tenter un truc. Tu me laisses le fight jusqu'à ce que je meure et t'enchaînes, ouais. D'accord? Ok, vas-y. Non mais ça fait deux fois que s'il veut bien me laisser tranquille ce connard. Damien est en train de le retenter tout seul là. Oui, t'es surtombé. L'ego. L'ego du mec. Viens lui faire une petite attaque sautée dans le dos là. Attention à toi. Ouais, totalement chier le timing. Ah, c'était notre pire trail jusque là les gars, je suis très déçu. C'était pas ouf. Ah, si j'étais pas tombé, je pense que ça aurait pu mieux se passer. Mais j'ai pas vu en plus comment tu t'étais tarté. Bah il m'a tarté la gueule, j'étais au bord, j'ai fait une roulade mais pas dans le bon sens.
Oh, il attend tellement. Il attend tellement avant d'attaquer, ça me perturbe. Ouais, il a des timings qui sont un peu chiants. Ouais, vas-y, je suis mort. C'est bon. Le meilleur truc, des fois, c'est de rester dans son dos et pas forcément de rouler. Des fois, en fait, il a pas assez de... Ouais. Il a pas assez l'envie de te choper, du coup, il tape juste à côté si tu restes bien dans son dos. Allez. Vous avez fini, là ? Ouais. Ah oui, j'ai mis ma marque, j'attends. Ah bah attends, je me fais tuer. Ça ne devrait pas durer très longtemps. C'est bon. Et au pire du pire, si ça marche pas dans le monde de Thomas, c'est peut-être qu'il faut essayer dans le monde de Damien. Ah. Ah, pas mal cette idée. Il a pas envie, hein. Il aimerait bien qu'on le finisse ici, hein. Ah, bah attendez, si on essaie chez Thomas, et puis si ça marche pas, on essaiera chez moi. On verra. Il faudrait se concentrer sur cet essai quand même. Inventaire. Pas la peine de. J'aimerais bien essayer de. J'aimerais bien essayer de jouer aussi avec mon autre perso, si ça se trouve ça marche. C'est fait. Hop. Ok. Moi j'ai posé, hein. C'est à gauche normalement. Moi j'ai posé aussi, hein. Voilà, petit vomi. Petit savane. Yeah. Allez. Petite amende. 27 minutes pour le faire. Il y en a un qui bouffe des trucs Harris bien, bien gras et l'autre qui mange des amandes là. Plein d'énergie pour battre Magritte. Magritte. Pourquoi tout le monde dit Magritte? C'est plus c'est simple. Pas Magritte? Je dis Magritte. Non, moi. C'est Margitte. C'est Margitte, ouais. Bon, il va falloir rentrer. Bon, bah, ça, allez, j'y vais, c'est bon. On est autour du pot. Hein. Tayo! Il est courageux. Oh! Il est trop fort. C'est quoi, je vais lui mettre toute ma magie que j'ai dans le cul. Oh là, attention. Ah ouais, il fait des attaques où il se retourne, enculé. Hein. Ouais, ça, j'ai essayé de rester en son dos, mais il en a fait Il se tape des délires, tu sais pas trop pourquoi il fait ça. Voilà, je l'ai re-aggro là. Et en fait, c'est chiant quand on est plusieurs parce que des fois, il commence son combo sur un joueur. Aïe. Et des fois, il continue en plein combo ses attaques, mais sur un autre joueur. Donc faites vraiment gaffe. Hein. Si ça se trouve, il vous attaque pas au début d'un combo, mais. Ah, tu vois là, il est allé directement sur Thomas alors qu'il a attaqué Damien. Ce qui est plutôt malin quand on y pense. Ah oui, il a raison. Hein. À bientôt sa deuxième phase, je pense là. Tu joues à deux mains ou pas, Thomas? Non, là j'ai essayé de mettre des flèches, mais je crois que je vais arrêter. Il est con ce bâtard. Attention. Je suppose que parer ne sert pas à grand chose. Il y a une attaque que tu peux parer qui fait, mais bon, je te conseillerais pas d'essayer. Ah comment je me mets à deux mains déjà? Triangle plus R1. Ça va être technique, hein. Attends, mais on lui fait que dalle de dégâts, c'est affreux, hein. Il va être long, hein. Oh, genre, il m'a touché! Alors ça, c'est dramatique, ce combo avec l'épée longue, là. Vraiment, ne soyez pas devant lui quand il fait ça. Attention! Ah, Tayo, il saute en arrière pour esquiver mes coups. C'est bien. Fais-lui le cul, Thomas, c'est très bien. Aïe! Ah, dommage. Attention! Roule! Merde. Oh, recule! Ça, c'est one shot aussi. Aïe, je vais prendre une petite potion là. Aïe! Et j'en aurais plus beaucoup après. Ok, c'est pas trop mal. Moi, j'ai plus de popo, hein. Oh le bâtard! Oh, c'est bien, on l'attaque! Oh merde, j'ai mis mon. Allez, on continue. Je vais l'attaquer un peu. Aïe. Oh le bâtard! Il me fait peur, celui-là. Il est chaud le bâtard! Attention, non, pas sur moi! Je vais prendre ma potion! Vite, prends son potion! Ouais, j'essaye. Oh non, je suis mort! Ah non, c'est bon! Recule, j'ai plus de Damien! Potion. J'ai plus de potion! J'ai plus de potion! C'est fini et j'ai plus de vie! Putain, c'était dommage parce qu'on s'était bien énervé. Putain, on était pas mal! Là, on a des moins de midlife, hein! Ouais, mais me limiter à 3 potions, c'est bâtard aussi! Ah, c'est vrai que 3 potions, c'est dur quand même! Il me bloque ce con là! J'essaye de l'aggro là, Thomas, si tu veux aller là-bas. Contre vous, hein. Essayer.
plus de potions. Recule. Pas mal. C'est vrai que je n'ai pas lock. Un tiers de vie, c'est très bien. Bah, faut que je lock. Bordel. Allez, on va réussir, on va réussir. Allez, je vous accueille dans mon monde maintenant. Oh, passe. Avec plaisir. Monde. On a le tir. Du coup, tu utilises doigt crochu, Thomas. D'accord. Et là, je le fais maintenant, le remède des doigts crochus. Ouais, devant la salle du boss. Comme ça, tu verras nos marques. Une marque, mais je le connais pas, lui. Putain, c'est dommage, en vrai. Un tiers de vie. C'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Doigt crochu de son éclat. Gardez bien à l'esprit que dès qu'il vole dans les airs, vous roulez juste avant. Quand il commence à descendre, vous roulez et vous prendrez pas l'attaque. Quand il commence à se préparer, là, vous êtes dans son cul, vous voyez qu'il dandine la queue, c'est qu'il va vous donner un coup derrière. Et le coup à éviter absolument, c'est quand il est dans sa phase 2, c'est le coup, il commence par un petit coup de dague et le gros coup de marteau devant, là, vous avez vu. Ça one shot. Et pareil, le combo où il fait grande épée jaune, etc., etc., ça, c'est éviter à tout prix. Vous courez en arrière plutôt que de rouler et d'essayer d'éviter au talent. Vous courez vraiment le plus vite possible en arrière, sinon c'est trop compliqué à éviter. Ok. T'as mis ta marque, moi j'ai invoqué l'arc là, mais... Ouais, elle est devant. Bah attends, je vais regarder ton stream. Si ça... Ah, c'est toi. Je savais pas que t'avais ce casque là. Le casque flantier. Non, mais le prisonnier. Je croyais que c'était un gars qui nous avait rejoint. Il fait peur, le casque. C'est une petite référence à Berserk. Oula, j'ai une tétine sur la jambe, c'est quoi ça? C'est une maladie? Oui, c'est les premiers symptômes des chlamydia. C'est une maladie de féminine. Ouais, c'est... Vous êtes là? Eh ben c'est parti. Ouais. Allez, taillot! Mes runes! Hop là! Taillot! Il avait essayé de combattre tout seul, hein. Il se croyait fort. Attention, coup de queue. Attention, maintenant! Bien, c'est bien dans ces moments-là, là. C'est comme ça qu'on fait de la bonne roulade. Hop là. Et attention, dans le dos là, attaquez. Très bien, stop, on recule. Ah, dans ma tronche, c'est pas grave. Putain, il a une longue portée avec son bâton. Recule. Tu vois, là il a bougé son petit cul. Ouais. Maintenant. Surtout l'un fais gaffe parce que toi si tu meurs c'est définitif. Y'a pas de problème. Ouais. Essaye de t'économiser le plus pour la P2. Oh, c'est moi ça. Oh putain, ouais, potion là vite. On sait pas qu'il allait me comboter. Non mais ça serait mieux quand on a 5 de côté. Je le lock mais. Je sais pas comment on lock les gars. C'est R3 toi. Ouais, j'ai... Je le lock mais avec l'arc j'essaie. Je ferai pas de l'arc. Ah ouais. L'arc chiant, c'est... L'arc. Faudrait que tu tentes off... Enfin quand on n'est pas en combat parce que c'est un peu... Ça marche comme une arme classique mais bon, faut s'y faire au fonctionnement. Hein, là on peut attaquer. C'est bien les gars, on n'est pas trop greedy. Bien, on recule tout de suite. Oh, brancardier. Je pensais qu'il allait être sur toi. Ah, phase 2. T'as mis déjà alors que c'est... Marteau dans la gueule. Aïe, je me suis pris dans le dos. Je t'avais dit, recule. Courir en arrière. Voilà. Non. Pourquoi tu m'attaques moi, frérot? Oh, il est rapide, l'enfoiré. Recule. Aïe, putain, les coups de fin qu'il fait. Et surtout qu'il a commencé à m'attaquer, il a fini ça sur toi. C'est bizarre. Ah, je suis mort. Ah, de rire. Mort. Retour dans votre monde. Non, mais ça de... Ah non. Non. Quoi? Ah, mais c'est, bah, vrai, c'est le monde de Damien. Et oui, on alterne. Oh là là, si seulement on avait été dans mon monde. Bah, on va aller dans tout le monde. Allez, non, on continue un peu comme ça, on peut échanger un peu. Moi je refuse de couper le stream sans qu'on ait réussi par contre. Vas-y, non mais le stream lag. On n'est pas trop loin, il faut. C'est vrai, ça, ou c'est pas vrai. Je remets mon remède des doigts crochus. Utilise ta compétence. C'est vrai ça. C'est vrai. Un peu oui. Peut-être à cause de Discord et des streams les gars, je suis désolé. On va faire avec.
T'as encore besoin de nos streams? Au pire, tu... Ouais, parce que sinon... Ah, pour le couper, ah, mais c'est parce que je stream moi aussi sur Discord. Ouais, je... Pas besoin, en vrai. Pas besoin. Bah voilà. Regarde, tu peux couper. On peut couper. Je t'aime. En fait, c'est parce que mes potions, elles donnent vraiment pas beaucoup de vie. Hein. Non, vous avez pas d'amélioration pour l'instant. La cam bug pas, c'est le oui, jeu. Oui, c'est vrai qu'elle redonne pas énormément de vie. Hein. C'est triste. Normalement, c'est bon, là. Dites-moi si c'est bon ou pas. Allez, dans le cul, dans le cul. Pas mal. Bon début. Attention, roule. Alors pas près du bord parce que je sais ce que ça fait. Ouais, en vrai reculons là, on va le laisser revenir au milieu parce que... Oh là non. Il est chiant, pourquoi il fait ça? Oh elle est horrible celle-là. Oh putain tu l'as évité. Ouais. Ah dommage. Ouais là, mais pas la deuxième. La première était bien. D'habitude il fait pas deux attaques là, c'est bizarre. Ah l'attaque de la queue! Eh je suis mort, désolé. Putain! Aïe aïe aïe! La queue! Non, j'avais dit qu'on ne s'énervait pas. Jamais. Ah mais c'était encore le monde de Damien. C'est le monde de Disney. Chaque fois il a cette manière de le dire. Oh non, c'est le monde de Damien. Bah non qui mais est mort. Vu qu'on alternait, c'est pour ça j'ai pas compris. Ouais, non, mais... non mais on avait pas encore alterné. Si vous voulez on alterne. On a pas encore alterné, là on alterne, vas-y, pendant un temps on fait que des alternes. Allez je okay, mets mon parti. Truc. De toute façon, non, on est à court de Floramundis, hein. C'est vrai. Ah ouais, ah non, les gars, non. Ah non, on le fait avant qu'on ait terminé. Sexe, drogue. Vite, ça bête. Non, 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 non. C'est hors de question qu'on rate encore trop de fois. On a réussi à faire quoi? Deux tiers de sa vie? Max? Pas mal. Même on a trois fait deux... quarts. C'est encore alors, mieux. À un moment, on était vraiment loin. Mais bon. Trois quarts, et c'était très beau. Je vois pas ta marque. Bah, elle est posée pourtant. Ah si, si, elle est sous les taches de sang. Ah ouais, ouais. C'est bon? Pas encore. Eh ben, attends toujours le même. Hein. Bon, normalement, dans mon monde, c'est moi qui crève. Pareil. En fait, quand c'est mon monde de Terra, il crève, et quand c'est mon monde, je crève. Bah en fait, je suis plus prudent quand c'est pas mon monde, parce que vu que je sais que j'ai pas beaucoup de potions... Ouais. Allez, un attaque. Reculez. Me dites pas qu'il y en a un qui est tombé. Ah non, j'ai eu peur. Non. Joli ça. Très joli ça. Attention. Pas joli ça. Non, un peu caca. Ok, bien. Faudrait qu'on continue sur les attaques sautées. Ah. Oh, on le stun. Casse-couille là. Avance. Attention, roulade. C'est bien ça, c'est bien ça, la triple attaque sautée. Ouf. Ouais, pas volé celle-ci. Non, j'esquive pas au bon moment. Oh non, putain. Dans ton monde. Oh, oh c'est ton toujours, monde dans le stun. C'est toujours le mec dont c'est le monde qui crève. Voilà. Putain, on va pouvoir aller dans le monde d'Hugo. Courir sur le haricot. Hein. Oh coach, ah bah, non, je l'ai on va dans ton monde, dans ton monde. Je l'ai eu moi, je l'ai tué. Ah merde, on va alors dans mon monde. Alors, dans ton monde. Remettre des doigts crochus. Est-ce que des boss augmentent quand vous êtes 3? Oui, oui, plus on est en coopération, plus ils ont de HP, les boss. C'était ça dans les autres Souls aussi. Allez, on vous invoque. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, je voulais prendre mon autre personnage après, pour voir si je peux vous rejoindre ou s'il y a un écart de niveau. Bon, c'est pas grave, Est-ce que s'ils adaptent à ton niveau... Ça veut dire qu'il baisserait mes stats aussi, je pense. Ça augmenterait pas les siennes plutôt? Non, 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 non. Justement, je pense qu'il baisse mes stats pour que je sois à peu près au même niveau que vous. Mais je serais curieux de voir ce que ça fait. Belle esquive.
merci. Ok, trop court mon lac. Oh putain, t'as réussi à pas te faire et taper 4 fois. Hein. J'ai évité la queue. Attention, maintenant. Ah, j'esquive trop tôt. Putain. Hop. Bon, en fait, je regarde pas le boss, je regarde sa main en général. Quand il commence à casser son poignet, c'est que l'animation elle va venir sur ta gueule. Aïe. Ouais, mais je vais pas tenter de prendre d'esquiver des potions là, je vais les prendre. Il est chiant là, il se met au bord de, du petit bassin là pour prendre. Connard. Doublé d'un enculé. Aïe aïe, potion. Ne me cible pas. Oh, merci, joli. Vous l'avez stun. Sur le côté, sur le côté. C'est très bien, c'est très très bien. Ok, je vais pouvoir lui faire de la magie en P2. Oh, j'appuie. Attention P2. Et attention maintenant. Hop là. Ah non, je suis trop loin là. Approchez pas, attaquez son dos si vous pouvez et vous reculez. J'ai l'aggro là. Ok. Petite attaque, on recule. C'est très bien ça. Attention, attaquez un petit coup, on recule tout de suite. Ah, puis il est très énervé dès le début en fait. Hein. Ouais. Aïe, faut vraiment que tu te barres. Oh, ça va qu'il a changé de l'aggro. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah putain, genre, tu me touches là? Oh non! Là qu'on est plus que toi. C'est bon, tranquille. Allez, vous pouvez le faire, les mecs. J'ai foi. C'est chiant qu'on puisse pas spectate avant la fin. Attention! C'est bien, Terra. C'est bien, j'ai c'est plus bien. De potions, j'ai plus de potions, mais j'ai confiance. Vous streamez encore j'ai, ou quoi? Ah, il y a la moitié de sa vie qui glisse. c'est moite. On va vite le savoir. Et tu peux pas te heal là? Non, j'ai plus de potions. Bon courage! C'était d'aller à Godric. Ah, il est mort! Okay. En solo! Allez, Damien! Allez, tu peux le faire! Ouais, t'es bien! Alors, le nombre de. 4 attaques d'affilée! Bah oui, bon, au moment, je peux plus rouler, moi! Ah, bon, ça veut dire qu'il est mort. J'en mets ma marque! Et le zizi alors? Et le pipi alors? C'est le monde de qui là maintenant? Putain. C'est chez moi? Ouais, c'est chez toi! 49 hein, les mecs hein. Il m'en reste 5. On a fait beaucoup de. Allez les gars, merde. Je suis pas d'accord hein. Là en plus on avait super bien joué là. Et vous avez vu quand il est stun là, quand il renifle ses pets sous sa cape. Vraiment on attaque jamais oui, devant ou derrière, faut qu'on attaque sur les côtés. Un max. Il vaut mieux faire plusieurs attaques rapides ou des attaques lourdes et lentes? En fait, ça dépend sur des persos, genre des trash mobs, donc des ennemis du jeu de base. C'est bien de faire un backstab ou tu sais l'attaque quand ils sont stun, c'est bien. Mais sur des boss, en général, ça enlève trop peu de vie. Je trouve que en plus, Thomas, il a un sabre, donc il peut faire du saignement. S'il attaque vraiment beaucoup, il peut enlever plein de vie d'un coup. Je vais c'est enchaîner mieux qu'on, du, qu'on fasse. Du rapide. Donc vaut mieux que j'entende. Ouais, ok. Parce que je pensais que si je chargeais des attaques lourdes, c'était plus efficace que faire des petites attaques. En général, je meurs quand je fais des ça attaques dépend rapides. Dépend ton arme. Ouais, mais quand il est stun, tu peux. Ouais, quand il faut vraiment que je fasse quand il est stun, quoi. Mais la meilleure façon de provoquer un stun, c'est faire des attaques sautées. D'accord. Mais les autres streamers, en moins de 2 heures, ils ont été le faire, Margit, là? Bah, je sais pas. S'il y a des gens qui ont regardé toutes les OP sur le jeu, là, depuis. Les OP avec un coach, en fait. Oh la queue! Oh la queue, la vilaine queue! Je suis curieux, ouais. En tout cas, c'est bien parce que vu qu'on a roulé sur les premiers boss, là au moins les gens ils voient de la difficulté. Bon, c'est Gomard avec des gens en coach aussi. D'accord, mais au bout de combien de temps? Oh, je me fais défoncer, c'est un truc de ouf! Aïe aïe aïe, dès que c'est pas parti, c'est honteux quoi! Reculez si vous voulez, j'en fais mon affaire. Je vais me calmer un peu là. Oh là, mauvais timing! Oh là! Non, c'est okay, bien. C'est bon. Attention, par contre, là, il t'aggro. Oh putain. Oh, j'ai pas une potion, moi. Potion. Oh oui, d'accord. Oui. Putain, je suis tellement cher. Allez.
Et du coup, Thomas, si tu veux apprendre l'arc, hein. Oh la vache, ah, il m'a jamais fait ce combo de ma vie. J'ai jamais vu ça. Il t'a tué ? Ah, il m'a fait une doublette retournée dans la gueule. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Il est où, Terra ? Allez, Link ! Pourquoi je vois jamais Terra ? Allez ! Connard. Bon, j'arrive. Je vais t'apprendre l'arc comme ça pour nous aider. Allez. Faut que tu me restreams ton écran après. Toi. Ouais, je vais te le streamer. T'inquiète pas, on va mourir bientôt. Bon, attends. Change de perso. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah merde! C'est bon, ah, je te le stream. Vas-y. Vas-y, mets-moi tout. Allez, vas-y. Oublie que t'as 20 niveaux de moins que ce qu'il faudrait, fonce. Non, panic roll. Ah, c'est bon. Voilà. Alors attendez, du coup il faut que je me TP là. Ah, non, je sais non, pas si non, ça marche. Non. Allez, c'est bon. Tellement dur, merde! Ça va aller, Thomas. C'est normal de bloquer ici. Hein. Ouais, après c'est. Ok, tunnel, on va voir. Je comprends que le jeu était un peu difficile. Un Telo l'a fait quasi direct, Magritte, ça marche. Tiens le gant. Allez hop, un super. Petit Théo 24 heures dans ta gueule, ça Allez hop, ça dégage. Ça t'apprendra. En plus, ta PP est horrible. Terra, hein. ton ouais. Monde. Ouais, vas-y, je fais le remède de raccrochu. Le monde de Damien ? Son monde. Oui. Ok. Alors par contre, j'ai changé de perso. On va voir si ça marche. Si oh, ça marche, c'est cool putain. En vrai. Du coup, je dois m'appeler Ugod ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, je vois pas encore vos marques alors que j'ai fait le... Ah mais je sais les gars, je sais que je panic roll et que je spam la roulade et que ça faut pas faire ça, je le sais bien. Ah oh oui non mais t'inquiète je le fais aussi hein. Mais ah, c'est si juste tu crois que je normal, fais un time perfect. Mais c'est juste débutant, que j'essaie de me mettre dans la tête qu'il faut pas le faire mais c'est surtout en fait, c'est qu'en fait une fois que je fais là... une roulade mal dosée, je vais juste spammer Exactement. Le reste parce que c'est trop tard. T'as envie de rattraper ouais. Du coup Mais dites-vous que là vous avez clairement pas le niveau qu'il faut pour aller le faire hein, logiquement. Donc, pour des gens qui ont jamais tâté à des jeux comme ça Ouais ça c'est marrant. Faut plutôt y aller dans 20 niveaux plus tard quoi, largement. Du coup, je vois pas ta marque. Hein. Ah, sérieux ? Ah, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas mis le bon truc multijoueur. Ah, ouais, vous allez voir, bande de garde-devant. Cadmerade. Hein ? Je mets le mot de passe que personne ne connaît. Personne l'a vu, hein. Tu peux personne. Y aller. Voilà. J'enlève ma marque. Je vais quand même me reposer au site de grâce. Voilà. Parce que vu que ça marchait dans DS3, tu pouvais invoquer des potes qui étaient même beaucoup plus haut level que toi, mais ça, leur niveau serait adapté au niveau de la personne qui t'invoque. Et puis je peux ramener Roger le sorcier, moi je m'en fous. Hein. Ça fait pas peur. Tu veux prendre Roger le t'as sorcier T'as vu Roger? Il est toujours là lui. Ouais, parce qu'il y a Roger le sorcier. Hein. Attends, j'espère que c'est pas un bouffon. C'est toi qui m'as invoqué là. Oui. Ok, j'ai eu peur. Si c'est un monkey fan qui s'amuse à invoquer tous les gens de l'OP là pendant qu'on travaille, bon. Okay, 55, on a plus beaucoup de temps pour le combattre. C'est parti. Oh, moi je veux le combattre quoi qu'il advienne. Eh ben il est motivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu des saignements là. C'est ouais. Moi qui ai fait mon c'est... attaque spéciale. Bah alors, Hugo, on a changé de perso ? Ah oui ! Attends, je vais le refaire. Hein. Oh le. Oh putain ! Ça attaque fort. Hein. Ça fait plaisir. Aïe 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 ! Oh aïe aïe, ça pique, madame ! Oh le pic qui pique, Magritte ! Ah putain, je dis Magritte à cause de vous maintenant. Sympa, hein, c'est facile à dire. Hein. Attention! On le défonce là, c'est trop! Oui, 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 oui. Oh, j'ai pris la Liston! Oh! Ah, oh, je l'ai défoncé! Encore! J'en ai rien à foutre que tu m'attaques, sale con!
Oh, il va pas. Meurs pas parce que ça nous arrange pas. Ouais, reste. Alors là, va falloir rouler les mecs, hein. Il a même pas le temps de rentrer dans sa pédule, le connard. Marguerite, ah, Marguerite Aïe. Eh, Marguerite le déçu, wesh. Voilà. Marguerite. En plus, je me suis bien battu. J'étais content. J'ai fini deux fois. Ouais, moi aussi, j'étais bien. Non, mais là, vous pouvez sincèrement faire de vous, les gars. Franchement, même si t'as un perso trop furieux, on a tous bien joué, je crois. Oh, j'ai pas 40 heures sur le perso, j'ai pas 40 heures. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On a tous bien joué, j'ai l'impression. Les gars, meilleur coach ou pas de l'OP, hein? J'avais qui? Il y avait on s'est régalé, hein. Alpha Cast, tout ça là. Du caca de chien, sincèrement. De la pisse à la merde. Et les gars, on va faire Godric, j'en ai rien à foutre. Vas-y, go. Non, mais... avec ton perso là. Ouais, bon, avec mon perso, vas-y. Ou alors on fait un autre boss, mais un mini boss si vous voulez. C'est vous qui décidez. Vas-y, go Gordic. Go Godric. Non, par contre, Gordic, c'est plus dur à dire. Donc, ouais. Alors, comment je vais faire pour vous expliquer? Je vais peut-être... est-ce que je peux Faut vous invoquer? Faut invoquer et que on te rejoigne et tu nous guides. Ah, par contre, on est à pied, hein. Ouais, c'est pour ça, va falloir vraiment faire Bellec, hein. Ça va être fastidieux, okay, là, hein. Ah, ou alors on refait Marguerite avec, sur le monde de Link. Non, vas-y. Il m'a saoulé. On peut pas faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, faut qu'on envoie du nouveau. On peut pas faire Big Dick. Vous voulez voir Godric? Ok, merde, ça marche. Je pensais que vous étiez pas encore sûr de votre décision. Non, moi je suis chaud. Ah, mais... Du coup, avancez tout au bout là, vous allez voir une grille. Vous allez à gauche de la grille. Et il y a une petite alcôve. Mais. Quoi? Même si Link l'a pas battu dans son monde, il peut avancer? Ah bah non, du coup, il faut le tuer. Oh bordel de merde. Et ouais. Ou alors, j'ai une idée, est-ce que je peux vous invoquer dans mon monde et on va le faire? Parce que je l'ai pas fait, Godric. Ah bah si, c'est mon perso principal. Oh, c'est compliqué, hein. Bon, emmène-nous vers un boss moins gratiné et tu reprends ton perso normal. Ok, alors retépez-vous à l'église de l'air. Ok. Église délai, et qu'est-ce qu'on peut se faire comme boss sympa? Ah bah tiens, on va se faire une geôle, une geôle éternelle. Et monter de niveau, hein, parce qu'on a dû se faire du fric. Ouais, j'ai 9000. Après les gars, je peux le solo kill de mon côté. Hein. Ta gueule, s'il te plaît. cabane de Valorage, vous vous rappelez là où on a monté après le... On a fait une grande montée. Et Thomas, t'avais ramassé une graine dorée. Et il y avait une petite cabane avec un site de grâce. On avait tué des loups avant, tu t'en rappelles ou pas? Ok, et elle s'appelle comment? Cabane de Valorage, vous vous TP ici. Yes. Ouais, c'est bon. On va faire mon Némésis. Le chevalier Croziflette. La douche. C'est les femmes. Je mets un petit coup de doigt. Ah, je mets un juste coup à côté du truc. Ok, je me fais un... On va dans le monde de Link, là? On peut le faire qu'en solo, ouais. Sérieux? Oh non! Ah bon? Oh. Bon, on va faire un autre, alors. Putain. Mais c'est pas grave, on s'invoque ici. Ne vous inquiétez pas. Ah, bah je sais ce qu'on va faire. On va aller voir nos amis des ours. Oh putain. Oh, mais c'est loin, quand même. Hein. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Attends, doigt crochu. Ah mais ça rush le boss au lieu de faire les zones secondaires, c'est normal que ça soit que ça se fasse laver. Oh putain. Vite, quitte le stream avant que je t'attrape. Oh toi. Je vais t'attraper. Oh, toi. Oh putain, j'ai attrapé par le callback. Oh si je te dox toi, oh là là. Putain. Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Oula. Où est-ce qu'on peut aller du coup? Et bah va tarde dans ta gueule pour t'apprendre le respect. T'as pas vu ta mère? Il faudrait peut-être que t'ailles chez le psy. chez l'orthopédiste, pardon. Je sais pas où on peut aller. Ah merde, mais vous êtes là. Ah, on va faire les chats. On va faire les chats. Bah, moi j'ai mis ma marque, hein. Près du feu de camp. Bah, mais là, à en la fait, cabane. Ça sert à rien. Tu l'as caché dans des fougères. Ouais, là, okay. Tu l'as trouvé? Qu'est-ce qui t'arrive? Du chat. Ah ouais, quoi? Il m'a invoqué. Il était trop déçu d'être. Ah, c'est parce que du coup, on va faire le chat. Invoqué l'autre con.
Eh ben on découvre, on explore, c'est aussi ça Elden Ring. Ah bah oui, c'est le monde ouvert, la découverte, que voulez-vous. C'est aussi ça être puceau les mecs. Faites l'ours cacher dans le vieux paysan non, près gueule, de la plante toi, coach, où vous avez été avant. On va faire le chat, allez bien. Faites celui-ci, il est vraiment très très dur, mais moi j'ai mis First Try. Par contre, c'est First Try, si vous n'y arrivez pas d'un coup, je vais faire vos hein. Si vous avez bon regardé, n'hésitez pas. Je suis dispo en chuchotement Twitch. En chuchotement Twitch. Mon mail, c'est puceauforever. @gmail.com. Est-ce besoin de le préciser? Attends, sous chance. Si les filles veulent m'invoquer dans leur plumard, c'est avec plaisir. Si elles sont consentantes. Enfin bref. Déjà pour ceux qui s'intéressent à moi. Oh, pourtant j'ai 47 ans d'expérience. Ça n'arrête jamais. J'ai éjaculé First Try sur Abel Adventure. Allez, on continue. Bon, c'est une petite trotte, hein. Ça vous dérange pas? Non, oui, mais le problème, c'est que. On peut pas se faire réinvoquer à cet endroit-ci parce que j'ai pas le site de grâce où tu vas nous emmener. Si, si, tu verras, c'est à côté de l'église d'Elle. Et pourquoi on n'a pas été directement à l'église d'Elle? Parce que Thomas m'a invoqué plutôt que. Oh, c'est ma faute. À droite, à droite. On va repasser par. Ah, la oui, fond. Regarde l'un derrière, je me disais, ça a tremblé. Ah, il y a le géant. Oh, il est beau! On l'avait oh pas vu. Eh ouais, il a la lame qui décoiffe, hein. Ah, ouais, ouais. Attends ton cul. Ah, ok, on s'en va. Venez ici, venez ici. Il sort, ah, il sort par la porte! Ouais, il me met des. Il me. Il crache dessus. Je savais pas que c'était possible ça. Il toi, du coup, quand même. Il toi, du coup. Oh l'enculé. Allez, venez, on longe ici. On va bien y arriver un moment. Donc là, on va repasser à côté du donjon qu'on a. Du jeu. Du dojo. Bah, y'a côté du dojo qu'on a fait tout à l'heure. Si. Et là, il y en a un autre qui est. Il est coton. Si je puis me permettre l'expression. On va voir ça. Par contre, je crois qu'on va être obligé du coup de retourner dans notre monde. C'est pour ça que j'ai soufflé, Thomas, en 10 minutes. Il y a 10 minutes. Très bien. T'es obligé de retourner dans notre monde et tu vas devoir nous réinvoquer après. Et on passe là-dessus. Et c'est derrière là. Non, non, c'est pas les deux chats, c'est un chat. En fait, le boss là, c'est un chat en pierre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je pense que vous allez le trouver plus dur que Margit en vrai. Non. J'ai du mal à croire. M'étonnerait. Un truc anecdotique. Là, t'ouvres la porte, Thomas, et nous, on retourne dans notre monde. Briseur de doigts. Ah ouais? Ok. Ouais, je peux pas l'ouvrir, là. Ouais, c'est pour retournez ça, dans votre... Inventaire, briseur de doigts. Entrez dans votre monde, là. On va y arriver. J'espère que ça va pas me mettre en arrière, mais ça va me mettre coup, ici. Damien, c'est... Non, ça va pas te mettre ici. Tu te téléportes à l'église d'Elle, et je vais te dire dans quelle direction aller pour y aller. Tu vas voir, tu vas tomber dessus direct. Église d'Elle. Ici. Attends, je mets une pin sur ma map. Alors, quand tu es téléporté à l'église d'Elle, tu marches nord-ouest. Entre ouest et nord, au cas où. Allez, ok ta mère. Nord-ouest. J'ai la ref. Oh, okay. C'est bon, on peut plus rigoler les mecs. Il y a des ruines. Oh, il est parti à l'aventure tout seul, le gourou. Il est parti faire le boss. Les gougous. Ah, oh, c'est. J'ai vu les chats, j'y vais pas. Mais. Il y a mon Google Home qui s'est activé qui me donnait des informations de Google. Google Home. Eh, mais le chat, c'est un ouf. Ok. J'ouvre les portes, mais il est déjà au boss. Les catacombes. Mais ils me suivent. Thomas, tu reviens tout de suite au site de grâce là. Mais j'essaye. La gargouille.
J'ai mis mon dos à côté du site de grâce. Ok, vas-y, je vais faire la même. Putain, qu'est-ce qu'il est beau mon perso quand même. Je veux bien retourner au site de grâce, mais il y a le boss qui me poursuit. Oh, le katana là. Il m'a suivi. Mais comment ça se fait que t'es arrivé au boss? Bah rien, j'explorais les catacombes et j'arrive devant un gros connard qui m'a suivi jusque dehors. Tu mens. Ok, attendez, j'arrive. Tu mens. Tu mens. Vous avez échoué. J'arriverai jamais à faire du CTLM. Confirmation de remboursement pour Nestlé Vinois Café, Biscuit Luche au chocolat et frais de poule élevé en plein air. Bah tu m'étonnes. Et pourquoi, pourquoi autant de remboursement sur ouais, parce que tout est arrivé. Alors il y avait des œufs cassés, mes liégeois ils étaient explosés et les paquets de luche étaient en miettes. Oh, super. Il a fait un scandale. Oh, les liégeois cassés, franchement. Oh. Bah, oui, et la chantilly alors? Ah, donc là ce qui m'a poursuivi c'était juste. Ce qui m'a poursuivi, c'était juste un mob. Ah, c'était oui. Pas un boss. Putain. Attends, alors, ça va marcher un truc en face. En face, j'ai un truc piné. Va en face. Mais ça bouge pas. Avant, entre. Ah, sur le côté. En vrai, vous pouvez me laisser les faire, hein, parce que... Oh, bah ça, voilà, c'est dégâts, hop là. Mais si on... Attends, mais si là, je perds de la vie, c'est définitif, entre guillemets. Donc faut que je fasse gaffe. Ouais, mais moi j'ai plus de fioles que vous, donc en fait, vous pouvez me laisser faire si vous êtes dans le dur. Va pas vomir sur la manette, hein, t'en as besoin. Hein. C'est trop tard. C'est pas ce mob là qui m'a poursuivi dehors, hein. C'était bien plus impressionnant. Oui. Ah ouais? Non, c'était pas ça. Oui. Ça devait être sacrément vénère. Oui. Ah, il était à peu près 3 fois plus gros et 3 fois plus fort. Bah, tu nous diras quand on le verra, hein. Oui, je suis allé jusqu'ici tout à l'heure, il doit être dans le coin. Tiens, c'est cette bête qui tombe là normalement. Ah ouais, ça fait des bêtes. Attendez, y'en a un qui était caché là. Bon, il suffit d'attendre et de foncer. J'y vais, attendez, je le fais. Faut tomber. Aïe. Faut pas mourir, Thomas. Il est mort? Ah non, il a pas mort, mais. Non, je suis pas mort. C'est pas loin. Je suis pas mort du tout, les gars. C'est bon. Mais il est où lui? Ah. Comment tu l'as cassé? Essayez à donner un petit coup dedans. Ça se relève. Ah bah non, retapez dedans, bande de cons. Oh non. Oh là là. Oh là là. Oh, ils sont cons. Attends, quelqu'un a tapé dedans, moi j'ai rien fait. Hein. Bah non, c'est Damien qui se fait un prank. Non, j'ai sauté dessus, j'ai pas tapé. Bah oui, mais quand tu sautes dessus, ça réactive le truc. Ah bah je peux pas deviner, hein. Ouais, bah maintenant on sait, hein. Bon bah je refais doigt crochu, site de race, mes couilles. J'ai fait pareil. Attends. Je peux pas remonter de niveau là avec les 2000 que j'ai? Oh, ça peut... Putain, je peux pas. Inventaire. Doigt crochu. Ça va la communauté? La communauté des cires sur le chat, ça va? Dame Evelyne, venez. J'ai mis une charme test plus 1 sur mon katana. Ça va? Tout va bien? Tout va pour le mieux? Vous allez bien dans le chat? Sir Thomas le Gotin. Merci pour l'invocation, Thomas. Y'a aucun problème. Moi j'ai mis une marque, hein. Mais bon. Ouais. Pas sûr de. On va aller direct à droite. Ah, si. Je vais avancer. Ouais, aller sur le site de grâce. Je vais commencer à le faire. Bon, enfin. De grâce. Vous mourrez pas, hein? Non. Bah si monsieur ne fonce pas dans les flammes. Oh bah, si monsieur les réactive pas, ce sera bien. Y'en a un qui l'a bien aidé quand même. Hein. Voilà. Ils sont déjà partis. Eh bah. Attention à droite. Voilà. Alors attends, je vais aller désactiver le bousin. C'était pas loin. Oh, j'ai pris dans la gueule. Oh, j'ai pris dans la gueule. Vous avez un peu fait les malins. Ça, j'ai des fioles. Bon, bah, c'est à droite, hein, la suite. Let's go.
Allez-y. Attends. C'est fou. J'arrive plus à bouger. Ouais, le dézingueur là. Quoi? Nettoie tout. C'est mon surnom, ça y est. Le dézingueur. Tiens, Thomas, tu tombes ici. Et derrière là, il y a un levier. Faut l'activer ici. Et ensuite, on va pouvoir aller faire le boss direct. On retombe par terre. Attention, une menace à éliminer. Aïe 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 aïe, mais j'ai plus beaucoup de vie là, monsieur. Oui, il est mort. Ah bah tu veux le terminer, mais... Ouais, ça fait des... Ça fait c'est des bon, pépites, hein, toujours bien. Des pépettes, hein. Allez, c'est parti. C'est quoi l'armure? C'est l'armure du vétéran que je porte. Et le boss est ici. Et là, first try. On va demander à ce boss de réfléchir. Ah, j'espère. J'aime beaucoup. Mais du coup, là, celui que t'es tombé, je l'ai pas vu. C'est lui, il m'a poursuivi jusqu'à dehors. Ah, et bah le fumier. Non, il mais m'a c'est agressé. Bon, il est sorti. Ah, il est bizarre, il me met mal à l'aise. Ah, il va chier. Il prend des dégâts, hein. Ouais, c'est bien. Attention, attention, poussez-vous. Ah. Poussez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ouh, il a fait la boulette. Il est rigolo, ce boss. Attention, alors là c'est pour il votre fait gueule. Un peu peur, hein. J'aime pas trop les statues comme ça. C'est... Oh la gueule qu'il a. Il est effrayant parce qu'il est très sec. Ouais, très saccadé. On continue, ouais. Continuons l'attaque, on l'attaque. Mais il est bizarre, il me met mal à l'aise. Je le termine au doigt. Aïe. Oh putain, il passe sur le côté. De grâce. Oh, de grâce. C'est ma dernière fiole. Aïe aïe aïe, c'était ma dernière. Bah bien joué les mecs. Et bah mon fumier. Ah oh, facile, si vous nous avez mis gros dick là, ça aurait été terminé. Hein. Gros dick. Gros dick. Et bah. Et s'il y avait le boss big cock là, franchement, ça aurait été autre chose, une autre paire de manches. Hein. Si vous parlez encore de big cock, moi ça m'intéresse. Et hop là. Donc ça en gros, on a fait tout type de boss. Il y a des boss qui sont dans des catacombes, c'est ce qu'on vient de faire. Les catacombes, c'est à chaque fois que tu dois trouver un levier pour aller voir le boss. T'as des donjons, c'est le truc qu'on a fait au tout début là avec le premier boss que vous avez fait quand j'étais assis. Et t'as des boss plus imposants. Et t'en as aussi que tu peux trouver dans l'open world en te baladant. Et t'as celle que j'ai dans le slip. Putain. Bon bah c'est la fin de l'OP hein. Allez hop, ça c'est, ça, c'est la fin de cette OP je pense hein. Parce que là. Et de toutes les autres visiblement. Bon, je pense qu'ils vont re-signer hein. Allez, c'est cool d'avoir mis une bonne ambiance en tout cas les gars. Ça pouvait finir autrement hein, mais... Bon bah. Désolé pour le chat, hein. C'était pas prévu comme je vous le dis. Hein. Je pensais que la soirée allait se terminer autrement. Elden Ring. Quoi, voilà. Bon. Bien. Oh le four. Oh le four. Oh la blague qui passe pas en spectacle. Oh le spectacle de Jarry. Bon, celle-là, je la garderai pas là, je suis en rodage. parce que le live officiel sera hein. Demain donc je. Il va falloir réécrire tout ça. Voilà. Bon. Bah, j'espère que ça vous a plu, hein. Oh là là. Ah, mais on arrête là, ok. Mais on bon. Fait quoi après? Non, venez, on arrête pas. On fait quoi sinon? On a rien à foutre. Si, ouais, on ouais, va ouais, arrêter. Je sais pas. Moi, je veux pas m'arrêter en fait. Moi, ça me fait chier de m'arrêter. Jouer, moi. Je veux bien jouer jusqu'à minuit, moi, je m'en fous. Hein. Bah oui. Moi, non, ça va. T'as pas faim? Alors. Non mais lui en fait tu veux jouer à sa mission solo. Oui il veut aller faire sa partie, oui. Il en a trop marre de non faire mais le coaching. Aussi j'ai pas mangé donc ça c'est un autre détail. Ah bah si tu veux va manger on comprend mais bon. Non quel non dommage. Non mais on va faire jamais un ensemble. Oh. J'ai une idée, on va faire un dernier truc. Ok. C'est quoi le... Attends Thomas, est-ce que tu peux me streamer ton écran que je regarde le site de grâce que t'as? Je stream là non? Le plus loin possible. Ah oui merde excuse-moi. Alors attends. Voir ta map. Ouais attends. Du coup, le mieux ce serait qu'on se tépé là. Je réfléchis. Hein. Ok, on va se tépé là. Vous vous tépé au cave du relais en ruine. Vous savez, c'est là où on a fait le boss Pumpkinhead. Ouais. Cave du. Tout à, en bas à droite. Enfin, tout à droite. Tu l'as toi, Damien? Attends, on n'est pas allé faire sur ta partie. Bah non, c'est pas de quoi vous me parlez. Ah, c'est un peu loin. D'ailleurs. Là c'est qu'on est sur PS5, ça charge vite. C'est où?
Ah, faut que je vous stream mon écran. C'était où? Bon, retour à... retour à l'église de là. Non, mais c'est loin quand même. Hein. Ah ouais? Ah, c'est Papy Moucho. Faut que j'aille où? Ok, vous vous téléportez aux portes. Vous vous rappelez? C'est là où vous avez rencontré votre maiden et qu'elle vous a donné, qu'elle vous a donné torrent. Ça marche? Ok, c'est là. Et on va se faire une petite trotte. Alors, on va passer par là. On va passer par le pont. Ensuite ici. Ensuite ici. Et puis ici. Voilà. Bon, c'est une petite session rando, hein. Mais un truc qui est cool à la fin. Je mets mon doigt. Enfin, vous m'avez compris? Ouais. Site de grâce porte, hein, je répète. Ouais. Ok. Alors, je mets... Ah bah, je vais mettre mon... Ouais, c'est là où je vais, les gars. Je mets mon doigt. Mon remède. Eh bah, cachez votre enthousiasme. Bah, t'as dit c'était loin. Loin. Là, je me dis c'est dans au moins un quart d'heure, quoi. Mais non, mais sur le chemin, en plus, il y a un mini-boss à faire. Oh! Ah, bon, bah commence par là! Génial! J'espère juste que dans le monde dans lequel on va, on est de nuit. Oh, bon. Pas du tout. Bon. Génial. Bon, on va marcher. On est peut-être en soirée, là? Oh, pas du tout. Oh, je vois la lune. Ça ah, il y a la lune. Il y a la lune. Peut-être, peut-être qu'on est en soirée. Eh, faut vous invoquer. T'as posé ton doigt? Oui. Oh, pas de doigt, moi. Hein. C'est bon, je l'ai invoqué, les gars. C'est bon. En route! Alors... Mais il fait pas nuit du tout. En route! Ça va, l'épée? Allez! Bah quoi, j'ai le droit de péter, non? Rien à compenser. Bon, c'est on marche au milieu, on s'en fout, hein. Non mais la taille du bousin, 6 mètres la lame. Allez, un coup de trompette. Faites attention à lui, il est acerbe. C'est très bien ce que vous avez fait là. Bien sûr. On a juste couru, hein. On a quand même 2 heures d'expérience, hein. Je tiens à vous dire que c'est très très bien. Il y a un site de grâce là. Tu peux dire au chat qu'on a bien joué? Ah, pour le coup, oui, vous avez bien joué, hein. Je vous dis, c'est pas grâce à... au chargement de ma partie niveau 99, hein, c'est... Ah oui. Non, franchement, ah oui, vous avez vu de vous-même, on a bien joué pendant ce fight. Oh, c'était très très c'est bien régalé. Joué. C'est allé un peu plus vite que d'habitude, c'est tout, mais... Non, mais c'est surtout qu'en fait, vous avez clairement pas le niveau pour Margit. On aurait réussi avec ma partie de base, mais on aurait mis un peu plus de temps, donc au moins les gens l'ont vu. Et pour votre vidéo tranquille, ils auront la victoire et ça, c'est beau. On va être contents. Cette grosse boule là. Oh là, bah, c'est... Alors ça c'est des rouleurs de merde, il y en a plein dans le monde. Il y en a qui te redonnent des potions, il y en a qui te donnent des sorts. Et il y en a qui te parle. Comment ça? Why? Connard! Il y aura pas de vidéo? Tu veux être dans une vidéo? Bah ouais. T'as un budget? D'accord, on en est là maintenant. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre con là, ramasser des champignons? Oui. On a ramassé des champignons. Hein. Je me fais charger! Je me fais charger par un chevalier! Oh! Mais sire! Oh là! Bon. Alors toi. Attends, je te payais de l'olive. Oh, ce qu'il a pris! Oh là là! Oh, oh bah oui, bah oui! Ah oh bah allez, bah tiens! Voilà, allez hop, c'est bah, bon, on n'en prend plus. Bah on aura jamais la fin de cette phrase, hein, je crois. Et là, je crois bien qu'on s'arrête là! Ah, vous allez voir, c'est cool la zone en vallée. En fait, j'espère juste que ce que je veux vous faire voir, je vais pouvoir vous le faire voir, si vous voyez ce que je veux dire. Link, okay. Savais-tu que c'était Miyazaki qui avait travaillé sur tout l'environnement et l'esthétique du jeu? Putain, merci pour cette petite info. Mais c'est... Attends. Maintenant. Bah, maintenant que je te dis ça, c'est impressionnant, non? Pourquoi? Tu vois qui c'est, Miyazaki ou pas? Bah, c'est le... C'est pas un homonyme, c'est celui qui fait les dessins animés. Ah, elle tu est vois là, la colle. Tu je vois. Pense que c'est pas le même. Ah, ah oui tu vois, lui il est pas con. Non, parce qu'il a vu qu'il y avait un piège. Si j'avais juste dit c'est Miyazaki point final, et ça serait arrêté là.
Thomas, sans mentir, tu pensais que Miyazaki c'était le bah, même que. Non, mais en gros, j'ai déjà entendu cette info. J'ai déjà entendu cette info quelque part, juste entendu Miyazaki, et je me suis dit, c'est pas le même. C'est sûrement pas le même, mais j'ai pas vérifié. Du coup, je savais pas. Bon, c'est bien. Mais du j'aurais coup, pu croire, si tu m'avais dit, si c'est le même, j'aurais fait, ah ouais. Donc, voilà. J'ai pas été Alors, j'aurais pu l'être. Ok, bon, très bien. Non, mais parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui croyaient ça, donc. Forcément, vas-y, c'est Miyazaki qui a travaillé dessus. Alors qu'en fin de compte, on sait pas qui c'est. Oui, après, si le deuxième, c'est. Enfin, c'est pas un no-name, tu vois, mais s'il est beaucoup moins connu que le premier, c'est un peu. Bah, il est connu en tant que. Ce qu'il a pas dit, Bandai Namco, écoutez pas ce qu'il raconte. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était un no-name, justement. Mais il est beaucoup moins connu. Miyazaki est une merde. Il est beaucoup moins connu que Miyazaki qui fait les animés, quand même. Bah oui. T'as regardé le gros balou là, qui se gratte. Il cherche du miel là. Oh. Allez, Link, taffe-le pour voir. Allez, l'ourson là. Oh putain, dans le pinou! Mais il est starbé! Tu peux aucun dégât! Aïe! Aucun dégât! Vas-y, Hugo, fais le ton personnage! Allez, Hugo, vas-y! On te regarde! Allez, enculé! Alors, 40 heures de jeu ou pas 40 heures de jeu? Nique-le, fais un effort! Allez, je vais t'aider, je prends mon arc! Mais quel enculé! Oh, j'ai plus de flèches, tu vas devoir te débrouiller tout seul! Allez, les gars! Mais vous me faites chier. Attends, mais il a autant de PV qu'un boss vu que je suis invoqué là. Ils sont chiants vraiment les ours. Hein. Tiens. On n'osera jamais attaquer un homme qui dort. Ramène-toi là, frère des ours. Ah, c'est long hein. Oh. J'ai du monde à attaquer là. Oh, Thomas, amène-moi la Terra. Ouais, attends deux secondes. Bah non, je me repose moi. Bah, tu te reposes plus. Bah non, du coup. Oh, mais laisse-moi tranquille! Bon, Hugo, tu as galéré dans le jeu parce que pour mourir face à un ours. Regardez-le! C'est lui le coach! 90 heures de jeu, il arrive pas à niquer un ours! Mais je suis tout seul! Il a beaucoup plus d'HP que d'habitude! C'est juste un mob dans une forêt! Les enculés, il croit pas! C'est pas un boss, hein! Bon, on va l'aider! On va pouvoir l'aider! Bon. Vous savez que là, il est scale pour vous, hein! C'est pour vous, bande de cons! Allez-y là! C'est fort peut-être. Voilà. Ah. Oh non, on s'est arrêté pile. Oh non. Oh non. Oh, il est trop con ce mec. J'y crois pas. Mes couilles m'en font mal de tes conneries. Je retourne dans mon monde. Oh là là. C'est ton karma, hein, Thomas. Tu mérites ce qui vient de se passer. Hein. Bah non. Non mais si tu l'avais tué plus vite aussi. Quel con. Bon allez, on refait le chemin. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'était pas ça. Mais, non, tiens, mais attends, on peut pas. Moi je peux y aller tout seul et il y a pas un site de grâce pas loin. Moi je peux me TP là. Ah si, il y a un site de grâce. Allez-y, hein. Allez-y, on se retrouve à l'ours. Ouais. L'ours qui se gratte, vous allez retrouver le chemin. Bah oui, parce que sur la carte c'est affiché. Ah bon ? J'étais devant un totem quand je me suis reposé et le totem il est sur ma carte. Toi Thomas ? Ouais, ça va. Je sais pas trop de quoi vous parlez, moi. Bon, moi qui pas faire ma boîte ici, grave. Je sais pas trop de quoi vous parlez, je. Attends, je vais voir ton stream, je vais te dire de mettre une pin là où il faut que tu ailles. Oh là là, j'ai toute la smala qui se ramène là. Qu'est-ce que je fous là, moi? Non, retépé-toi au feu qui s'appelle porte, Thomas. Oh, sérieux? Ouais. Oh putain. Mais t'as ta monture, donc ça allait beaucoup plus vite. Ah ouais, c'est vrai. Alors. Ah, tu veux... Zoom, ok. Zoom. Alors voyons voir, attends. C'est là. Ok. Mets une pin là où en fait il y a tes. Comment ça s'appelle? Merde. Tes runes, tu vois, t'es mort à droite là. Il y a une espèce de petit épi de paille qui sort du sol à droite. Tu vois là? Ouais. T'es mort ici. Tu mets une pin là, t'appuies sur croix. Ah, et voilà. Tu vas voir, dans l'open world, ça va te mettre un faisceau lumineux. C'est derrière, hein. Tu vois le faisceau lumineux bleu dans les airs? Ah, dans les airs? Oh, ouais, oui, ouais, 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 ok, ouais, c'est ouais. Là. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, ça part. C'est reparti. Putain, j'ai mal lu. J'ai mal vu. Vu? Je l'avais pas vu. Ne lisez pas rapidement le mot nécrolimbe. Ah oui. Ça peut poser des... Des petits soucis avec Twitch.
Ah, le pont, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, je revois les ours là. Ouais, on va éviter de les refaire, hein. Ouais, bah, puisque personne n'est capable de les faire ici. Bon, par contre. Chaussure camembert box. Poète, poète, ça ira. Entre l'autre con qui s'assoit et lui qui me chie dans le cou, bon. Bah non, mais t'es niveau 90, on va pas s'y mêler quand même. Mais je suis pas niveau 99 avec vous, vous comprenez pas. J'ai tout fini le jeu trois fois. Oh là là, ça va partir. Bon, Dynamco, si je peux récupérer 30% de leur part, ça va. Ils sont horribles. Pourquoi il y a un enculé dans mon chat qui chante « Sucez donc la pine, sucez donc la pine, Hacking Kong, Hacking... » Il va te faire foutre, Freddy. Il va te faire foutre. Oh, merci pour les pensées offertes, Dimbala, c'est gentil. Bon, Freddy, je te mets 10 minutes. Ça te fera réfléchir. Oh, ce fils de pute, il a l'affiche des Croods sur Twitch en bannière. Les Croods. Oh, il est fort. Bon, Dreddy, c'est une sommation. Bon, moi, je suis à la stèle. Bon, attends, mais moi, je suis à la stèle, mais il n'y a pas de site de grâce à côté. Eh ben, c'est pas grave, je vous amène, il y a un site de grâce. Arrêtez-vous okay, à la stèle. D'accord, mais il y a l'ours à côté, hein. On s'en fout, il se gratte, l'ours. Ok. Faut prendre le pont, là, nécessairement, ou... Tu peux courir, hein, Thomas. Je cours, là. Oh, le cul du mec. Mais qu'est-ce qu'il veut là? Il faut prendre le pont à droite ou pas? Je suis allé à droite et après il y avait un giga précipice et je suis tombé et je suis mort en fait. Ah bah alors, moi aussi j'ai fait la même chose. C'est pour ça que j'ai fait mon cri qui faisait. Ah bah tu vois. Voir la map, je vais te dire. Ouais, prends le pont. Ok. Ah, c'est pour ça que t'as crié. On a eu le même. Oui, j'ai fait la même chose et pour ça que j'ai dit à la suite. Ah, il était là le pont. Ah oui, moi c'est après le pont que. Il est beau mon perso. Si on est plusieurs à faire la même erreur pour Dynamco, non, ça c'est un truc qui serait bleu dans les phases de test. Ouais. C'est le. Enfin bref, pas de demander à mon Dynamco de réfléchir. Putain, elle est trop bien cette anime. J'ai mis ma marque. Bah, moi j'ai mis ma marque, hein. J'en à côté de l'ours qui se gratte. Suivez mon regard. J'irais bien choper le petit objet à côté de l'ours qui se gratte. Si je le fais en marchant, ça marche? Non, Damien. Non. Ok, demi-tour. Rebrousse poil, rebrousse chemin, vite. Je suis dans la forêt, j'arrive. Ça marche, Thomas. Hacking Kong. Hacking Kong. C'est l'anti-tuff, ça, hein, quand même. Titeuf! Voilà, à la stèle. Ok. Ramasse le fragment qui est à la stèle aussi, Thomas. C'est le fragment de la carte. Ok, nickel. Du coup, petit coup de remède de doigts crochus pour ta personne. Moi, c'est doigts crochus tout court et c'est bon. C'est bon. Tu devrais nous voir apparaître. Non. Bah, je suis à côté de la stèle. Si. Voilà. Encore raté une occasion de fermer sa gueule, celui-ci. Ça vaut le coup d'aller chercher le petit objet bonus avant de me faire TP, là. Oh non. Oh putain, j'ai peur aussi. Ah, c'est bon, je suis avocat. Alors, vous êtes prêts? C'est dantesque. Ouais. Hein. C'est magnifique. Quoi? Fous de ma gueule là? Non, coach! J'oserais jamais! Attends, il se fout de ma gueule! Attendez, parce que. Non, mais là, je le prends mal! Je me fais chier! Ils étaient pas pour ça! C'est parce qu'on tournait en rond, durable! Ouais. C'est parce qu'on tourne en rond! Et c'est drôle! Oh putain, on peut pas y aller, Damien! Bon. Oh non! Oh non! Oh non! Pourquoi? Oh non! Oh non! Non, non. Oh non! Bah non! Oh non! Bon. Non! Alors, du coup, ce qu'on fait pour le stream, King reste... Kong. Chacun y va en solo et celui qui le tue pas, c'est une merde! On y va. Mais va oui, ensemble. Mais y a pas. Mais je suis loin, y a pas eu de points de TP, moi! Mais non, mais tu vas revenir là où tu t'es fait TP, Damien, y a pas de soucis. On marche sur l'ascenseur en même temps, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est joli cette zone. Ah, y a pas de boss! Bon.
Bon bah, génial. Le boss était lourd si vous m'avez... Je commence vraiment à en avoir marre là. Quelle je soirée. Je fais des heures sup non payées. Quelle ils soirée. Ils me laissent sur lourd ces enculés et ils se plaignent. Quelle soirée il dit l'autre con. Non mais bon, attends. Bon bah voilà, je suis devant l'ascenseur là, qu'est-ce que je fais? On marche sur le truc en même temps. Attention. À mon top. 3. 1. J'ai pas appelé l'ascenseur. Bon allez, faites-le. 3. Ça descend, moi je descends déjà hein. Top. Ah bah descendez. Moi de toute façon c'est trop tard. Non mais c'est bon, je suis déjà descendu hein. Ça fait 10 3. Voilà, et regardez. Ok, à la 2. Oh. Admirez le paysage hein, vous allez voir c'est très très beau. Oh, on dirait le Mont Saint-Michel un peu. Moi oui, je vois si juste ma grosse tête dégueulasse. Ah, faut regarder au bon endroit aussi hein. Tu vas voir, ah, c'est, je te dirai, c'est Thomas. C'est quelque chose hein. Oh, mais c'est vaste et grandiose. On y voit du paysage ici hein. C'est comme World of Warcraft mais en joli. En plein cœur. Oh, les étoiles. C'est de l'autre côté Thomas, voilà. Oh, regarde ici. Et en fait c'est trop, c'est bien de la magie. C'est que dans cette zone du jeu, en fait dans le jeu t'as une zone souterraine qui est gigantesque. Et quand tu découvres ce truc là tu te dis mais what the fuck. Tu te dis on marche sur la tête. C'est des vannes. Je vais me réveiller en fait. Mais on dream, la Siofra. Ils sont pas allés avec le dos de la cuillère hein, Bandai Namco. Depuis le début du stream, il dit Namco. Eh bah dis donc, le tout là, c'est vraiment délicieux sur les tartines. Ah non, mais y'a pas à dire, hein, les pleux mobiles, j'adore en monter en stream, c'est super cool. Ça me fait penser qu'il faudrait que je rachète des Let's Go là, parce que bon. Mais attends, y'a pas de boss du coup, on est... Alors, c'est très beau hein. Ah bah non, c'est, beau, durable, mais... hein, c'est durable. Moi j'ai déjà quitté ma partie du jeu. Y'a pas de boss là. Mais... Non. Vous voulez un autre boss, il fallait les faire Godric, mais vous allez préférer dire bon, on préfère faire un boss moins fort. Mais non, j'ai pas dit ça, moi je voulais faire Godric. On pouvait pas le faire, c'est toi qui as dit c'est trop loin. T'as dit c'est trop loin. Replay, je demande un replay. Vous m'avez dit bon, on va aller faire un truc. Bandé d'Inco là, vous avez entendu, on a dit qu'on voulait faire Godric. Je te signale qu'ils sont sur le stream et qu'ils entendent tout ce que tu dis hein. Écoutez, avec tout ce que je vous ai appris, si vous voulez en voir plus des boss, vous savez ce que vous avez à faire. Cliquez sur le lien facile avec moi. Oui aussi, cliquez sur le lien. D'ailleurs j'ai écrit Elden Ring dans mon chat. Hop là. Point d'exclamation Elden Ring dans le chat, on clique. Voilà, vous, tous ceux qui sont encore sur stream, vous cliquez et vous faites plaisir hein. Et voilà, si vous voulez voir des boss, bah vous avez qu'à continuer l'aventure de votre côté sur Twitch et puis vous faites pas chier. Il nous a mis deux claques dans la gueule, il a dit au revoir. Hop. Ça y est, gars. Mais merci, ça fait une coach. Heure que je... Quelqu'un a pété, là. Ah, je sais pas. C'était vachement suspect de dire « Ah, je sais pas. Ah, » par contre... Aucune idée. Ah, mais je sais pas si c'est mon cerveau qui a inventé le truc ou pas, parce que... Ah bah par contre là j'en sais rien. C'est pas évident. Bah je suppose qu'on saura jamais hein, passe-moi autre chose. C'est pas évident. Et là, c'est pas facile. Va dans l'église, nous on s'en branle, on va s'invoquer là. Dans l'église. C'est vraiment un P énorme hein par contre. Non mais c'est pas. Il y a méprise. Mais, sérieux. Qui a pété là? Mais personne. On va dans l'église, personne a pété par contre. Non, j'ai entendu un truc horrible, c'est pas possible de monter. Alors là... Je te dénonce tout de suite, hein. Non, il par fou, contre, moi, je jure par tous les 5 que j'ai entendu, mais je pense que c'est Link parce qu'il réagit comme un suspect. Link, la vie de ta mère que t'as pas pété ou passe à autre chose. J'ai pas pété. Non, par contre, j'étais persuadé que c'était toi, donc c'est pas le malin. Regarde, il a pété, il reprend l'ascenseur. Il a pété dans la zone, dans le gros dégueulasse. Oh, il a lâché le cyclopé. Il a pété dans l'ascenseur, il dit que c'est pas lui. Non, par contre, 100% c'était Racine, hein, parce que je l'ai entendu, j'ai pas quoi pété. Non, par contre, c'est bon. Mais non, mais c'était même pas au courant. Alors, c'est qui? J'ai pas pété. Bah, c'est qui? Moi, j'ai rien entendu. Non mais là... Quelqu'un a clippé? Oui, moi j'ai entendu des pères. Oh le fils de pute. Oh ça fait clairement menteur ça par contre. Il y en a eu plusieurs. J'ai entendu un mais père. Non. Il y a quelqu'un qui a fait reconstitution sur mon chat et qui a marqué prout prout prout. Mais y'a pas un de vos micros qui fait de la merde là? Oh bah le mot, les mots ils sont bien choisis Hugo, de ton côté hein. Hugo, t'as entendu quelque chose ou pas? Ah mais j'ai entendu...
un truc vraiment horrible. T'as entendu quelque mais chose. Mais non, moi j'ai rien entendu, c'est pour ça quoi. Ah bah voilà. Je me suis dit, bah si t'as rien entendu, c'est que c'est toi. Mais c'est pas moi. C'est de la lumière, c'est logique. Mais alors, je suis désolé. Si c'était moi, je saurais que j'ai pété. Du coup, je dirais juste, ah je l'ai entendu. Alors c'est ton micro, il a pété, c'est tout. Ah non, je suis désolé, mais je suis mort de rire comme un computer. C'est peut-être la fatigue, hein, mais c'est. Peut-être que je suis fini à la piste et c'est mon cerveau. Hey, Link, c'est toi qui as les rushs de chaque piste audio séparée. Ah oui, on va isoler le play. Pour isoler et tu verras s'il y a l'augmentation sonore de quel micro elle vient. C'était à 2h37, 36 à peu près. Je vais isoler le P et le isole le bass boosté. Tu comprends si c'est le micro qui vient de toi, de moi ou de Hugo. Ça m'a fait rire en tout cas. Apparemment, je peux pas isoler les micros, mais. Enfin, je peux isoler. Bah si. Toi et Hugo, tu peux isoler le tien. Toi et Hugo, vous êtes sur la piste. Mais tu regardes déjà si ça vient de moi ou Hugo. Je peux m'innocenter. Oh, puis tu passeras la rush aussi, parce que si tu triches, je veux voir. Je te donnerai les fichiers. Il va faire un montage. On va débunk. Non, c'est pas moi qui ai pété, regarde. Et là, tu vois un bon vieux patch qui cache l'oscillation du micro là. Regarde, c'est pas moi qui ai pété. Le vieux qui se coupe d'un coup. Il y a un passage tout vide sur Audacity. Non, mais moi je veux un clip parce que je l'ai vraiment pas entendu. Donc je veux savoir si on a entendu sur mon live. Il y a quelqu'un, toi tu dis Bandai. Je sais plus, Bandai Namco. Il y a quelqu'un dans votre chat qui a dit ils vont être contents, Banzai Noodles. Ah, j'ai pleuré. Ah, je chiale, ça vient la pute. Non, ça chante. Mais le pire, c'est que c'est une vraie barre. Oh, Banzai Noodles! J'ai faim maintenant! J'ai mal au ventre! Oh l'enculé! Viens dans l'église! Je suis dans l'église! Ta gueule, c'est fini là, va te faire foutre! Non, mais moi je vais dans l'église avec Hank! Banzai! Vas-y, mets ta marque! Ah, il va être content, Banzai Sarko! Allez, on lance! Doigt crochu. Oh la vache, vous m'avez fait chialer. Ah, c'est Choucroutman V2. Bon, je travaille plus, moi, j'ai fini ma journée. Là. Oui, bah oui, j'ai bien compris. Nous, ça bosse. Ouf. Ah, j'ai mis ma marque, hein. Ouais, mais attends, elle vient d'apparaître. Bon. Vous continuez, vous, ou pas, l'aventure? Bah un peu, ah ouais. Oui, on continue, nous. On a 20 minutes, là. 20 bonnes minutes pour faire un truc. Bah, il mérite une couronne, lui, sérieux. Oh. Bon, alors, on va où? Vous voulez faire un dernier boss? Ouais. Bah, oui. Ok, j'arrive. Ah, il revient. Finalement, il a bien réfléchi. Il a passé un bon moment, il revient. Je suis désolé, hein, putain. Allez, vous êtes à l'église d'Elay ou pas? Oui. Oui. Oui, j'arrive. Il va être content. C'est Jika. Ah bah, Jika. Hé, hey, Link, va, regarde-les, là. L'enclume. Ouais. Oh, c'est pas sympa. Eh ben... Et bah va dedans. Une pierre de forge. J'ai mis ma marque. Mais non, mais utilise-la l'enclume. Attends, je cherche ta marque. Oh, ça sent bon, c'est quoi que tu nous fais là? Putain. Ah là, y'a pas ta marque encore. Des Banzai Noodles. C'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu fais? Oh, des noodles. Et du coup, le P, c'est toujours pas qui a pété. Non mais t'inquiète, je donnerai la réponse après. En fait, j'ai bien l'impression que c'est aucun d'entre nous. Hein. Non mais y'a... Ouais. C'est pas le jeu qui a pété. Non mais attends, parce que je t'explique, regarde. Hugo éclate de rire, bon clairement c'est pas lui. Moi je sais pas pourquoi il rigole, il dit qu'il a entendu un pro. Donc moi je rigole parce que je me dis c'est Link. Ouais. Et toi tu es en train de dire, c'est pas toi, à 100%. Attendez, j'écoute. Ah mais moi j'ai jamais pété, ça c'est 100%.
moi je peux le jurer sur la vie de ma mère, la tombe de toute ma famille, je n'ai point pété. Et pourtant, alors, je sais que je dis. Ou alors je pète sur mon micro quand je veux. T'as fait un truc genre. Je sais pas, t'as fait un truc. Un bruit de paix quand même. Ouais, c'est bizarre de péter de la gorge. Attends, c'est encore pire que ce que je croyais. J'ai l'impression que c'est le beat de quelqu'un qui gargouille. Il y a un gros truc sans doux. Fais voir. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc qui s'appelle Le Bon P. J'écoute. Envoyez-le là. C'est vraiment un. C'est soit non, un peu dégueulasse. Attends, je l'ai entendu, hein. Ça fait. Ah, bah oui, ça fait. Attends, mais. Oh, j'ai mon jeu qui a bugué en plus. Attends, je réécoute. Vas-y. Impossible d'invoquer l'allié. Ouais, bah moi je suis bugué. Il a softlock mon jeu. Bon, bah ça m'arrange. Je vais aller au lit comme ça. J'arrive pas à analyser le P. On est d'accord qu'il y a quelque chose. Vous inquiétez pas, je vais déjà m'innocenter après le stream. Je vais regarder ma si c'est, pas un... si c'est pas un P, c'est à dire que c'est un gros bruit de gorge qui fait. Ouais, c'est ça. Ça peut être un mec qui a fait. Astérix. Attendez, parce que je peux vous montrer un truc. Putain, faut que je le retrouve. Attends. C'est sur une VOD que j'ai mise. Il y a quelqu'un qui avait dit sur une de mes VOD. C'est un P là, non? Et j'ai cliqué au timecode et on dirait vraiment que je largue une grosse caisse, alors qu'en fait c'est que des fois j'ai ma gorge qui remonte des bulles. Et sauf que là on l'entend à mort. Il commence à s'expliquer. Je me pousse un peu, genre sur mon siège on dirait que je largue un P. Attends, faut que je commence à nous dire tout doucement qu'il pète de la gorge. Ah, c'est lui le péteur fou. Attends, il est où le P là? Sachant que c'était le principal suspect, puisqu'il y avait lui qui avait rien entendu donc. Ouais, et puis en plus, sur le clip que vous m'avez envoyé là dans mon chat, je crois que ça vient de ta chaîne, Terra. C'est le grain de ton micro, donc ça vient de toi. Non, mais à tous les coups, c'est ma gorge. C'est, je me rends pas compte que vu que c'est un micro insonorisant, je l'entends pas. Mais attends, faut que je te retrouve le passage. Ah, ça m'a fait rigoler. Hein. Bon, ça vous a plu le live? Hein? Vous êtes content? Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. T'as été où le P? Ouais, ça a l'air d'être un bruit de gorge. Ah, c'est là! Ah, c'est bon, attends. Envoie le lien. Je veux bien le lien aussi, moi. Ouais, attends, je le retrouve. C'est pas le son d'un P, c'est quelqu'un qui dit ça. Oh non, non, alors le bruit, vous allez rire parce qu'on dirait que je me chie dessus. Hein. Attends, mais envoie dans le chat live. Attends, privé, je remets un peu en arrière. C'est à 2.32.09, mais je le remets juste un petit peu en arrière à 2.32.04. Voilà. Attends, c'est quoi le channel? Bon, Miskin, je vais l'envoyer à Benzai Noodles parce que j'ai pas d'autres cours, on est trois. Mais non, oh non, non, bah, si, c'est pas grave. Non. Écoute, en plus, je me pousse un peu sur mon siège. Attends, chute. Pas besoin de scratch, là il y en avait beaucoup trop. Mais il a des très bonnes idées d'édit, à mon avis. Oui, ça part. Ah oui, attends. Le petit. Oh, attendez. Enfin, le précédent. On va se le repasser. CSGO. Scratch, faut pas en abuser. Mais moi aussi j'ai ça des fois, mais c'est quand j'ai trop mangé. Séparer des séquences qui n'ont rien à voir entre elles. C'est pour marquer. On dirait que mon Falzar est mort, hein, que c'était vraiment. C'est pas parce que t'as dans ton jeu, il y a 5 minutes d'écart entre les séquences. D'instant que c'est, il se passe la même chose, pas besoin de scratch. J'entends rien avec le. Mais il a des très bonnes idées d'édit, à mon avis. Lui, ça part. Ah oui! Part comme attends, ça fait un vieux. C'est bizarre! Lui, ça part comme. Mais en fait. Ça fait. Mais en plus, tu te relèves à ce moment-là. Oui, c'est pour ça, on dirait que tu sais que je dégage une fesse pour le faire. C'est la même chose, pas besoin de scratch là, il y en avait beaucoup trop. Mais du coup, attends, du coup, ça te le fait aussi, tu vois ça? Parce que moi, ma meuf m'a dit, ouais, j'ai jamais vu ça, je vais voir ça. Moi, je sais pas roter, j'ai jamais. Je rote jamais. Je peux pas vous entendre. Du coup, j'ai que ça. Et bah, moi ça me fait ça aussi, ça fait comme des bulles qui remontent dans la gorge et qui font un bruit de. Par contre, je sais péter, alors ça. Ça c'est dingue. Attendez, je vous le remets. C'est pas parce que t'as dans ton dérush, il y a 5 minutes d'écart entre deux séquences, d'instant que c'est, il se passe la même chose, pas besoin de se rattraper, il y en avait beaucoup trop. 2, 1. Mais il a des très bonnes idées d'édit, à mon avis. Lui, ça part comme. Vous l'avez entendu? Ça fait vraiment un truc horrible. C'est pas parce que t'as dans ton dérush, il y a 5 minutes d'écart entre deux séquences, d'instant que c'est, il se passe la même chose, pas besoin de se rattraper, il y en avait beaucoup. 3, 2, mais il a des très bonnes idées d'édit, à mon avis. Lui. Ah.
pété en parlant, je pense, à Jiraya. Oh, il t'as mouillé pété... ton caleçon, c'est trop. Il s'est pété quand il veut et tout. Et là, je suis en train de me mettre à quatre pattes le cul en l'air. Et là, il y a un énorme P qui arrive. Du coup, je pète. Sauf que quand je me relève, il y en a un autre qui arrive. Et je lâche, mais un truc qui fait un truc vraiment énorme. Et qui y a derrière Cyprien. Et du coup, je me retourne, je fais. Oh, bonsoir. Enfin bon, il est vite parti. Hein. Il a pris une part de pizza, il est pas revenu. Donc. T'as raconté quand tu t'es fait engueuler parce que t'avais dit que t'avais pété sur le canapé de Cyprien. Je crois que j'ai déjà dit ça aussi. Oui. Je dis un jour chez le stream, je crois que c'était le tout début où j'arrive. Je dis chez le stream, si vous faites pas ça, machin, je devais parler à Jiraya ou Xari. Je pète sur le canapé de Bigorneau et coquillage. Le soir même, je reçois un SMS de Mixicom qui me dit Hugo, tu fais partie de la famille, donc les jeux pètent sur le canapé de Cyprien, on stoppe, ça plaît pas à l'intéressé. Voilà. Non mais ça c'est incroyable. C'est dingue. Hein. Alors que je disais ça sur le second ton en mode bah c'est les studios de le stream aussi donc. Je fais est-ce ça, que avant de partir t'as quand même pété sur ce fameux canapé? Ah bah dans ma carrière chez le stream en 3 ans j'ai bougrement pété sur ce canapé. Voilà, bah oui mais plaisir. C'est pour ça que Cyprien et Squeezie ça a éclaté hein. Ouais, parce que les deux suspectaient l'autre alors que c'était toi. Squeezie pétait trop. Les coutures tiennent pas. Par contre, t'es toujours pas dans l'église, hein. Enfin. Ah non, mais il a bugué. Moi, j'ai éteint. Il a abandonné. J'ai bugué. Bon, j'ai bah nous, on explore, nous, alors. Allez, quand j'arrive. Ça me fait plaisir. On va aller où? Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. C'était bien sympathique. Génial, là. Je vous souhaite une bonne soirée. Très bon coach. Mes petits élèves. À très, très vite. À bientôt. Merci. Hein. Au revoir. Ah. Au revoir. On va, regarde. Tu sais où aller? D'après ma map. Non, mais là où j'ai pas de site de grâce, en gros, c'est à droite. D'accord. Donc je suppose qu'à gauche, on a tout fait. Enfin, passe devant. Genre par là. Est? Bah d'après la map, oui. Ah, allez. Attends, il y a des trucs là. Oh, je sais pas, de façon, ouais. Faut découvrir. Hein. Il fait plus peur un peu le jeu maintenant qu'il est plus là l'autre. Avec sa grosse épée. Oui, là. Surtout que n'oublie pas que je meurs rapidement. Hein. Ouais. Oh, les marais. Ah non, attends. Il y avait quoi dans les marais? Il y avait pas le dragon? Il y avait le serpent. C'était pas un serpent. Hein. Ah, c'était un dragon. Oui, c'était un dragon. Ah oui, c'était ça, voilà. Bon, alors, bon, bah, bon. Bah, c'est mort. Hein, non, ça c'est mort. Je pense. C'est mort. Oui, donc du coup, on passe par là. Et ben on contourne par là-bas, par les ruines. Attends, ouais. attends, c'est quoi là-bas? Oui, non, c'est bon, on n'y a pas été. Vas-y, on va là-bas. Ouais, on va voir. Il est faisable. Faut au juste début. Qu'on soit prudent. Oh. Oui. Ça m'étonnerait quelque peu. La map a pas l'air grande, non? Je crois que si. Hein. Si, je crois que justement. J'ai entendu dire que si. Hein. C'est justement le principe du jeu. Je crois que c'est que justement elle est gigantesque. Ouais. Alors t'as été un peu plus vite que moi. Hein. T'es en train de te faire attaquer là. Je me bats, ouais. Oh, mais ils ont pas beaucoup de vie en fait. Non, ça va. Deux petites attaques. Il y a des moustiques par contre. Salopard. Ah, ils me mangent. Les merdes. Oh putain. Ouais, il. Ouais. Tête de libellule géante. C'est quoi ça? Oh, une tortue! Ah, on était venu ici, on était descendu. Oh putain! Oh, une tortue, ça c'est fou ça! Oh, elle est résistante! Oh non, elle se met dans sa coquille pour se protéger! Ouais, j'ai un peu plus de pitié pour les tortues, je sais pas pourquoi. Ça me rend triste de tuer une tortue. Bah, parce que si elle nous attaque pas et que c'est innocent. Bah, non, quand on tue les moutons, j'en avais rien à foutre. Bizarre. T'es un connard. gargouille là, on va pas par là. Est-ce qu'on doit monter sur l'arche? Non, on s'en fout. Ouais, ici. Non, on n'est pas allé par là. Ça me dit rien, moi là. Je sais attends, qu'on est allé si. Aux ruines à gauche là. Tu vois, juste à gauche de nous, on ouais, est allé dans si, un souterrain. Ouais, si, c'est le pont, on l'a fait. Et du coup, attends, on est non. Un peu allé par là, mais. Non, tout je au confonds. Fond là. Par là, je pense pas. Et la tour de Babybel à gauche là, elle est loin ou c'est un effet d'optique? Allons par là. Oh, un gros crabe! Oh, le gros crabe! On pourrait se faire le crabe! Je sais pas. Hein. Imagine, il est ultra fort. Peut-être, mais faut essayer. On peut faire le crabe. Attends, j'entends un truc magique. Un bousier magique. Ah ouais, mais il est loin. On essaie le crabe? Bah, je crois. Hein.
Bah toi d'abord, parce que moi j'ai que 3 potions de vie. Attends, je vais regarder ce qu'il fait un peu là. Il jette okay, de l'eau. Ok, attends, j'attaque dans le dos. Oh ça ah, va, c'est il bon. Est facile. Ouais. Alors, facile... facile, je sais pas, mais... Si, ça va. C'est bon. Oh, en fait... Je peux lui... Oh non, j'avais le point doré pour le perdre transpercé. Dommage. C'est pas grave. Et bah voilà. On a battu un des meilleurs boss un du jeu. Un deuxième boss. C'était un des boss majeurs du jeu. Hein. Bon, on continue par là. Attends, je me heal pas. Non. Putain, la vie remonte pas automatiquement, par contre, c'est sûr. J'aimerais bien qu'on ait un boss un peu dur là, mais. Voilà, bien dosé. On sait pas où ils sont. Pas. Oui, en général, en plus, ils sont pas évidents à trouver quoi. Ils sont pas dans les champs. Bah, vu que c'est dans des grottes mais et tout. Que là, là, peut-être qu'il y en aura un truc. Une grosse tour quand même. Attends, mais il y a du monde là. Il y a du monde. Attends, eux, ils sont tout pourris, je crois. Ouais, s'ils soufflent pas dans sa trompette, c'est bon. Oh, il allait faire de la magie lui. Plus le chevalier là. Lui. Chevalier, je suis pas chaud. Chevalier est un peu chiant quoi. Mais je pense qu'il y a un boss là-dedans. Merde, je suis tombé. Ah bah il m'a vu. Attends, il y a des mecs qui tirent de la magie d'en haut. Ouais. Bon, attends, je contrôle. Je contourne et je regarde ce qu'il y a. Peut-être un. Ouais, fait, oh, doucement. Ouais, il y a du monde hein. Putain. Oh, alors je passe mais. Oh, le cavalier qui te poursuit. Oh, t'es. Oh, j'ai pris cher. Ouais, faudra que tu te heal. Dès que tu. On court, faut qu'on court. Ouais, ouais, d'accord. Oh là, y'a un gros trou, y'a un gros trou. Aïe aïe aïe. Je suis passé sur le côté, y'a un petit trou. Bah, on est baisé. Un peu, hein. On est où là, sur ma carte? Ah, puis attends, il te poursuit lui. Oh, lui. Casse les couilles. Sur ma carte, on est. Ah, c'est on pas mal. Est à un autre c'est endroit pas... en fait. Ouais, ouais, on découvre un peu là. Je pense qu'il faut quand même réussir à descendre là. On va trouver un moyen. Attends, c'est des petites chutes ça. Ça fait pas de mal. Fais voir. Hop là. Oh non. T'aurais j'ai pas sauté. T'aurais quand même pu sauter. Oh non, j'ai pas sauté. Quel enculé. Oh putain, ça marchait en sautant. Oh, fais chier, putain. J'ai voulu faire une roulade. Ça a fait ni l'un ni l'autre, putain de merde. Oh non, je suis à l'église. Ouais. Ça t'a mis à l'église? Ça te TP en fait? Bah ouais, du coup. Oh putain de merde, ouais, bah c'est mort. Bon, on y va en cheval. Quoi, on y retourne en cheval? Mais il faut trouver un site de grâce. Ah bah non. Bah là-bas, il va même endroit. Là-bas, il va y en avoir un, non? Il va y en avoir un là-bas de site de grâce, non? Attends. J'ai piné? Ok, j'ai piné. Bah en gros, je cours à cheval jusqu'à ce que je trouve un site de grâce. Ouais, ouais. Je pense qu'il y en avait un dans le coin quand même. On est allé loin. Au bout d'un moment, on va bien avoir un. C'est pas là où il y a le dragon. Ok, je repasse par le même chemin, grosso modo. Si vous voulez faire un boss, le truc à gauche de ton point, c'en est un. Il y a un site. Il y a un boss à côté de là où vous étiez. Hein? Ouais, apparemment. Les gens disent ça. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Mm-hmm. Il est dans une caverne, il est dans une grotte, il est à l'extérieur. Il y a un cercle noir sur la map. C'est un cercle sur la map. Ah, je le vois, hein. Je le vois. Mais c'est pas le truc qu'Hugo il voulait faire et que vous avez dit ça peut pas se faire à deux? Je sais pas. Les cercles noirs, c'est pas faisable en coop. Oui, bah c'est bien ce que je me disais. C'est le truc que Hugo voulait nous faire faire. Ouais, c'est en solo. Et on y allait et au final. Baiser. Les courants d'air à cheval, c'est une dinguerie. Hein. T'es passé dessus? Ouais, t'as pas le message? Ah. Oh là! Mais c'est incroyable! Ouais. Ah, il faut sauter quoi, ok. Du coup là t'as continué au milieu des tours? Bah là je vais franchir les tours bientôt. Je vais entre les tours là. Oh putain. Oh. Oh là la grosse flèche. C'est passé pas loin de moi aussi.
Alors où est-ce que ça va ? Ok, je vais dans... Péninsule Larmoyante. Je continue entre Dervin. Toujours pas de site de grâce en vue. À droite, il y a un site de grâce. Après le... Il y a un géant. Il y a un géant accroupi. Ah ouais ? Ouais, une fois que t'as franchi le genre de pont fait... pas naturellement. C'est vrai qu'il y a un site de grâce. Il y a un site de grâce après les... Bah, la gigarbalète et les 4 tours, là. Ah merde, je l'ai bien dépassé, moi, il là. Il est juste à droite. Du coup, faut que je fasse demi-tour ? Putain. Ouais. Parce que là, ça va te faire tout drôle. Bon, tu vas voir. Surposé. Il y a un site de grâce juste à côté. Genre, une fois que tu dépasses le pont, il est où ? Juste à droite. Tout à droite. Faut virer à droite dès qu'on passe le pont. Ok, donc, à gauche, et là, je fais demi-tour. Je vais mettre... C'était mon dernier remède. Ah oui, il est là. Ok, c'est bon. Vas-y, je vais mettre ma marque. Inventaire. Doigt crochu. Mais la nuit, il y a un boss qui spawn la nuit à cette zone. Ah, donc on se repose, on met la nuit. Faire passer le temps. Je vais jusqu'à la nuit. Je vais mettre la nuit. Mais le problème, c'est que j'ai utilisé mon remède, les gars. J'espère que je peux en crafter un. Moi, il y a toujours ma marque, malgré cette que j'ai fait passer le temps. Le boss de nuit, il va vous soulever. Ouais, c'est bon. Écoutez, c'est notre dernier essai. Eh bah écoutez, on a qu'à aller le voir. Il est où, le con ? C'est bon, je t'invoque. Il est où, l'abruti ? On est full vie, full potion. J'ai 3 potions. Il m'en garde le sourire. Tranquille. Allez, okay. C'est parti. Alors justement, une fois que tu dépasses cet endroit, attention parce que il y a un géant à droite. D'accord. Regarde, il est accroupi. Ah oui, c'est lui qui... on le tue. Bah il était là 2 jours. Ok. On essaye ? Bah... Ah non mais il y a des chiens. Ouais, c'est casse-couille un peu. Les chiens, ils vont nous péter les couilles. À gauche, il y en a aussi. Bon, autant passer à gauche. Bon, on se fait les 2 chiens ? Ouais. Ok. Nickel. Ah, il y en a d'autres là-bas. Merde. Ok, on monte discret. Ouais, on va voir. Ah non, c'est pas des chiens. C'est d'autres trucs. Des bêtes. Oh, ils vont nous voir, 100%. Passe par là. Vraiment, ça m'effrodon. C'est terrible. Mais par tout. Contre, là, ça me rappelle le Seigneur des Anneaux sur plein de points. Hein. Ouais, ouais. Voilà, quand on passe sur le côté via les roches et tout, ça, ça rappelle de ouf. Oh le bousier. Oh le bousier. Oh là, bousier. Viens là, toi. Il n'y a pas de boss, ce qu'il raconte. Pourquoi vous mentez ? T'imagines là il fait plus nuit. Oh là, en face il y a un cavalier qui est très gros. C'est lui peut-être ? À gauche c'est quoi ? Waouh ! Oh il est gigantesque. C'est lui le boss qui était là. Ah vas-y on le prend. C'est lui. Ok vas-y on prend le site de grâce. Bah je peux pas, toi tu peux, vas-y. Ah ouais merde. C'est vrai. Allez, ce sera notre dernier essai. Ah c'est chiant qu'il soit à cheval, il va être trop casse-couille. Allez. On se motive. Il est dur. Allez toi, non. Gros balourd. Ça me dit un truc, je crois que... Il a deux... Non mais il a des chaînes, il a un boulet avec des chaînes. Je crois que je l'ai... J'ai fait aucun dégât. Je l'ai touché, il fait aucun dégât. Ça va, tu lui as retiré un millimètre. Oh putain, il m'a mis midlife. En fait le problème c'est pour l'atteindre. Oh l'enculé, il est trop fort. Il m'a tué. Non mais c'est trop. Ok d'accord, c'est trop. Vous savez les amis, c'est un jeu qui demande du temps. C'est aussi ça Elden Ring. Oui. Voilà. C'est voilà, de l'expérience et du temps. C'est ça qu'il nous faut. Bon bah voilà,
On va Très bien. Et par contre, j'ai pas vu le temps passer en vrai. Non, ouais, c'était cool. C'était bien. Mucho on bueno. Était censé faire 2 heures, on a fait 3. Voilà tout. Ça a l'air d'être très bien. Et ben, et bien, écoutez, mignon. À très vite. Oui, je suppose. À mercredi. Ouais. On est dimanche. Ah oui. Oula. Ouais. Je n'avais pas compris ça. D'accord. Eh bien, écoutez, mes mignons, eh bien, dans ce cas-là, mercredi pour un programme haut en couleur, car nous n'avons rien de prévu. Ouais. Ce qui commence à être inquiétant, puisqu'il faudrait faire quand même des jeux épiques, des jeux incroyables. Ouais. On verra. Allez, salut. Au revoir.